malade. Il est malade seulement. Tout Facebook est en ébullition. Les gens sont dans tous leurs états. Que non, il n'est pas habitué là-bas. Vous l'avez envoyé là-bas, pourquoi? Tout Facebook en ébullition. Bon, on reste dans ça, on dit que l'observateur est décédé. Vous allez venir nous rappeler qu'il a insulté quelqu'un pour mourir en prison. Non, vous serez les mêmes encore à aller dire que Marie-Paul a dit là. Il n'y a pas plus maudite qu'elle. Vous allez dire ça. Vous serez encore en train de dire, c'est celle-là, une sorcière comme ça, elle a pris enfant des gens, elle envoie en prison, l'enfant des gens est décédé là-bas. Vous serez les mêmes à dire ça, on vous connaît. C'est pas un sorcier. C'est pour ça que quand moi j'ai fait mes trucs là, je me comprends. Vous serez les mêmes à dire que, oh, Marie-Paul a dit, mais ils ont su quoi? Et puis l'enfant est allé en prison là-bas, ou même si l'observateur sort de là, et que la maladie qu'il a pris là-bas, là, ça l'entraîne là. Ça veut dire que voilà, elle a gâté la vie de l'enfant là. Ils vont plus dire qu'il a insulté Marie-Paul. C'est pour ça qu'il a dit dans ma vidéo, Marie-Paul, avant de poser une action, ne regarde pas les Ivoiriens, parce qu'il n'y a pas plus maudit que les Ivoiriens. J'ai dit dans ma vidéo, il y a une façon dont on envoie l'enfant en prison là-bas. Ou bien façon que, je ne sais pas, si quelque chose arrive, les mêmes Ivoiriens vont venir pour dire, tu es très mauvaise. Ils vont dire, il y a touche du bois, quelque chose dans la vie. Vous allez voir comment ils vont lapider Marie-Paul sur la toile. Alors qu'ils ont oublié que hier, ce sont les mêmes qui ont encouragé Marie-Paul à dire. Ils ont dit que c'est normal qu'elle se comporte comme ça. C'est normal qu'elle ne laisse rien tomber. Et qu'elle doit aller jusqu'au bout. Parce que là, elle doit faire respecter la femme. Elle doit faire respecter la femme. Maintenant, il est malade. Vous êtes en ébullition. Il voit des gens en train de faire direct depuis le matin. Demandez pardon. Allons-y, on demandait pardon à Marie-Paul à dire. Parce que le jeune qui est quitté là-bas, le jeune a dit franchement. Le jeune qui est sorti là-bas, là, je ne sais pas si vous avez suivi sa vidéo. C'est lui qui est venu faire annonce sur Facebook. Hein. Il dit, si vous ne faites rien pour observateur, ne soyez pas choqués. Voilà. Nous, on vient pour parler. Par exemple, on parle depuis le début. Il ne voit rien dire. Il n'a qu'à vivre ça. Il va s'habituer. Le jeune est sorti de là-bas. Il dit, ah, franchement, je suis allé voir observateur. En direct, c'est son cousin, bien son neveu. C'est lui qui fait une vidéo pour dire, franchement, on n'a qu'à faire quelque chose. Le gars est gravement malade. Maintenant, vous aussi, là, on vient vous dire ça, vous dites que non, il va s'habituer. Moi, si ça connaît moi, là, il n'a qu'à s'habituer. Si ça connaît moi, là, il n'a qu'à ça. C'est-à-dire que si c'est pour vous, les Ivoiriens, il n'a qu'à s'habituer. Mais le premier barbier qui va venir tomber sur Marie-Paul a dit pour dire qu'elle a gâté la vie de l'enfant de quelqu'un. La première personne qui va tomber sur Marie-Paul a dit, on va se laisser ce TikTok ici. Parce que quand vous dites à quelqu'un de bien faire les choses, là, la personne doit bien faire les choses. La personne doit aller jusqu'au bout. Il ne doit pas avoir de pitié. Ça dit même si un malheur sort dedans. On doit accepter nous tous. On doit vivre ça. Voilà. Le gars là, il fait son game. Voilà, il titille un peu les gens. Ça vous fait mal. Le gars titille un peu les gens. Ça vous fait mal. Hein, il insulte, hein, c'est un insulteur. Alors qu'il n'y a pas plus un poli que vous. Le gars là, il titille un peu les gens, ça vous fait mal. Alors qu'il n'y a pas plus un poli que vous. Vous-même là, il n'y a pas plus grave que vous. Vous n'êtes personne. Parce que le gars a titillé, voilà. Mais où il est malade maintenant, vous courez pour aller où? Moi, c'est moi là, moi, pour moi, c'est bien fait. Voilà. On encourage quelqu'un. Tapotez le lève, s'il vous plaît. On dit le lève en train de tomber. Tapotez le lève. Yéri, même s'il allait trop loin, il a dit quoi? Que toi, on t'a jamais dit. Parce qu'il y a comme l'impression que ce que l'observateur a dit là, c'est nouveau pour vous. Hein? Quand on dit quelqu'un est brut là, pour moi, ce que l'observateur a dit là, pour vous, c'est nouveau. Donc, dire à quelqu'un que la personne est brut là, ça, c'est la première fois que vous entendez ça. Vous n'avez jamais entendu ça quelque part. C'est la première fois que c'est sorti de la bouche d'observateur. Sinon, nous, quand on marche ici, là, en Bengue ici, là, c'est ce qu'on entend matin, midi, soir. Telle est pute, telle est pute, telle est PUT. Quand on est en Bengue ici, là, c'est ce qu'on entend matin, midi, soir. C'est-à-dire, quand quelqu'un veut insulter une go, mais c'est ce qu'il dit. Quand il veut insulter une go, c'est ce qu'il dit. André, c'est nouveau pour vous. Vous êtes nouveau, venez d'entendre ça. Vous êtes choqué. Non, il allait trop loin. André.
C'est que vous la voyagez. 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 Vous allez voir comment blanc insulte. Voyagez. Quand vous allez venir en Europe ici, là, quand quelqu'un va vous insulter à Abidjan, vous allez dire non, ça c'est rien. Vous allez dire que non, ça là c'est rien. Voyagez. Même allez-y dans le Maghreb. Maghreb simple. Si Maroc, si Arabe a fini de t'insulter, hein, tu arrives à bien mettre dessus, mais que ça t'a touché. Si tu arrives à bien mettre dessus, mais que ça peut te toucher, ça peut même pas te caresser. De nos jours, on prend un jeu comme agent. Un jeu, c'est rien. De nos jours, un jeu, c'est rien. C'est rien. Mais comme c'est la première fois que vous avez entendu ça, franchement, qu'est-ce que vous pouvez dire? Alors, vous êtes nouveau, vous venez d'entendre ça. Donc, c'est normal que pour vous, il allait très loin. Voilà. Pour vous, là, il allait très loin. Vous, c'est la première fois que vous avez entendu ça. Voilà. Donc, si c'est la première fois que vous avez entendu ça, là, c'est normal que ça vous achante comme ça. Voilà, c'est normal. Mais je n'ai jamais entendu ici en Europe que tu as insulté quelqu'un, c'est pour ça que tu es en train de purger ta peine. Je n'ai jamais entendu ça. S'ils ont trop fait, ils vont t'amender. S'ils ont trop fait, ils vont t'amender. Mais pour dire qu'ils vont te jeter en cellule parce qu'ils t'ont insulté quelqu'un. Ah! Vraiment. Vraiment. C'est que ça sera fort, hein. Si c'est trop, ils vont t'amender. Et puis même, ils vont t'envoyer une convocation, tu vas les répondre. Et puis de là-bas, ils vont t'amender pour dire non, voilà. On t'amende. Mais quelqu'un allait dormir en prison parce qu'il est insulté. Mais tu as fait ça ici, là. Ils vont renverser France, là. Tu as enfermé quelqu'un ici parce qu'il a insulté. Mais les Français vont renverser la France. Ils vont renverser. Parce qu'ils vont se dire, mais attends, est-ce que vous êtes sérieux? Parce qu'on a insulté, vous l'enfermez. Mais ils vont renverser la France, là. Ou mais toi-même, tu as enfermé la personne, là. Mais tu n'as pas dormi dans le quartier. Le quartier, là, tu n'as pas dormi dedans. Toi qui, c'est-à-dire toi-même là, c'est-à-dire que toi-même on t'a insulté là. Le quartier là, tu vas pas dormir dedans. Tu vas aller chercher enfin les gens. Tu vas aller chercher enfin les gens. Les jeunes du quartier là-bas, les jeunes du quartier là-bas, ici comme ça, dans le quartier où je suis là. Bon, il y a une bagarre, bon, il y a des injures qui fusent et tout et qu'on sort. Et puis, voilà, boum, la police débarque, la police prend l'enfant des gens. Tu appelles la police prend l'enfant des gens, ils vont jeter en prison. Parce que l'enfant t'a insulté. Toi, tu as appelé la police. Il a dit, même s'il a fait demi-journée, tu vas pas habiter dans le quartier. Tu vas partir du quartier. Tu vas partir du quartier. Parce qu'ils se disent que c'est des choses, oui, tu peux amender, c'est fini. Tu peux finir. Non, oui, il n'y a pas de problème. Mais allez pousser le bouchon jusqu'à enfermer les gens. C'est pour ça qu'il dit toujours que nous qui sommes en Europe ici, là, parfois, là, ce qu'on appelle la liberté, là, on sent ça ici même comme si c'était... Ici, là, il y a ce qu'on appelle la liberté. Il y a des choses, là, tu as le droit de faire. On ne t'agresse pas pour rien. Et puis ce qui est bon ici, tu n'as peur de personne. Que ce soit la police ou pas la police, tu t'en tapes. Le jour sont devant ta porte là, tu y as explication. Si on te prend pour aller là, tu dois t'expliquer, tu dois parler. On ne va pas te prendre comme ça pour aller te mettre en prison. Pourquoi? On t'envoie une plainte. Plainte à venir. C'est que tu vas aller t'expliquer. Ils ne vont pas te prendre pour te jeter dedans. Après, je ne connais pas dans d'autres villes. Hein. Mais nous qui sommes dans les villages là. Franchement, les policiers nous voient même là. C'est eux-mêmes qui nous saluent. Nous, on ne les gêne même pas. On s'assoit même dans les coins ici même là. Ça boit les deux bières, les trois bières avec les policiers. Tranquille. Lui, il te dit non. Ah, franchement, vous venez d'arriver. Policiers même pas les trois. Moi, mon bengue là, c'est le policier qui était en bas. Mon bengue, lui, il a toujours dit. Pour que moi, il soit installé ici là. En bengue ici là. C'est un policier français. À cause de quoi? Quand il dit non, il vient de Côte d'Ivoire. Il dit Côte d'Ivoire, où ça? Il dit non, le pays de Didier Drogba. Il dit, ah, que moi je suis un bon supporter de Marseille. Hein? Donc tu viens du pays de Didier Drogba? Il dit oui. Il dit,
Il va mourir massacré. Que Didier Drogba a baissé son enfance. Et pour ça seulement, lui ne peut pas moi me laisser. Demandez à vos frères qui sont venus par bateau là. Ici, quand les policiers étaient, ils disent que, hey, je ne connais pas pour d'autres villes. Mais je sais que ici là, il n'y a pas ça. Mais ces policiers vont venir, mais il y a des manières de te parler. Il y a des manières de te parler. On ne peut pas te soulever comme ça. On ne peut jamais venir te soulever comme ça. Tu n'es pas dealer, tu n'es pas vendeur de drogue, tu n'es pas dans des faux trucs. Ils vont venir te soulever comme ça, comment? On ne peut pas te soulever comme ça. Mais, pas t'insulter, quelqu'un, ils vont venir te prendre. Le policier ne m'a dit jamais de la vie. Pourquoi voilà? Vous ne connaissez pas Bengue. Tu peux tenter de faire discours à quelqu'un. Et puis tu dis au policier, non, lui là, voilà ce qu'il a fait. Le policier va dire, mais on s'en fout. Nous, on est là pour notre travail. Notre travail, c'est de vous faire comprendre que, à partir d'aujourd'hui, arrêtez de vous insulter. Voilà. Vivez en paix. Ici, vous êtes venu en France, intégrez-vous. Voilà. Toi ou bien toi, voilà. Et puis, quand on vous conseille là. Et puis, on vous dit, mais bon, si lui, on l'enferme, toi, tu gagnes quoi? C'est le policier qui fait ça en France ici. Bon, on l'enferme là. Toi, tu gagnes quoi? Et puis, il te demande. Non, vrai, voilà, laissez tout ça. Policier fait ça en France ici. La preuve en est, on a fait un accident. On a fait un accident à Paris avec ma femme. On a fini de faire un accident, on a raison. Hein. Et puis le policier nous prend. Et puis il dit, mais regardez les jeunes là. C'est eux qui vous ont connu, non? Normalement, ils n'ont pas raison. Mais regardez-les, bon, si on les enferme tout de suite là, vous allez vous sentir comment? Est-ce qu'il n'y a pas une manière de se voir? Il n'y a pas une manière. C'est le policier qui dit ça. Et puis on est là, mais dit non, on veut la justice. Il dit non, c'est des enfants. Si on les a. Bon, ils n'ont pas raison, ils ont cogné votre voiture. Ils n'ont pas de permis, ils n'ont rien. C'est policier français. Bon, imaginez un instant, on l'enferme. Est-ce que vous allez aller avec votre conscience à la maison pour dire que vous avez enfermé un jeune derrière vous? Est-ce que vous comprenez? Et nous, on est là, on ne sait pas si on va dire oui, ouais. On va dire non, ouais. Ils nous ont dit, on a réglé entre nous, qu'on ne peut pas enfermer le jeune. Que c'est une histoire de ça entre nous, on est des Africains. C'est pas eux, nous, eux, on va les appeler pour enfermer le jeune. Quand on est des Africains, on n'a qu'à gérer entre nous. C'est comme le juge peut arriver et puis va dire, hey, Marie-Paul a dit, comment on appelle ça, observateur? Je ne veux pas enfermer quelqu'un ici à cause de ça. À partir d'aujourd'hui, observateur n'insulte plus. Voilà, c'est ta petite soeur. Il y a des manières de briser même le moral de quelqu'un. Et puis, elle est là. Non, mais tu l'insultes là, c'est pas grave. Bon, là, on te met à la magate. Il y a des manières de faire. Il y a toujours des petits trucs. C'est pour ça ici, là. Les policiers disent là, franchement, tu les regardes et puis tu as envie de rentrer dans l'armée sans t'en rendre compte. Parce que les gens sont honnêtes. Mais Abidjan. Abidjan. Il me rappelle comment ils sont venus chercher mon frère As Diesel. On a fait 3 jours au poste de police. Il me rappelle comment ils sont venus le chercher. On dirait un braqueur. Il me rappelle comment ils sont venus le chercher. Quelqu'un qui fait vidéo. Face ils sont venus le chercher là. Moi, mon cœur était coupé. Il est allé. On est arrivé là. Voilà. Cellule. Bah! Le thème va s'expliquer. Nien, blablabla. Bim. Il y a un qui dit, il dit quoi? Champion, si quelqu'un t'a bien insulté, tu vas laisser ton discours là. Si quelqu'un m'a bien insulté, je vais laisser mon discours. Si on peut bagarrer, on bagarre. Il y a l'envoi en prison pour quoi? Tu me insultes, on bagarre. Moi, je suis un garçon. Tu me insultes, tu sais que. Ou même si tu sais que pas bagarrer, il t'insulte aussi. Il y a l'envoi en prison par rapport à quoi? Tu insultes ma mère, insulte ta mère. Parce que moi-même, ma bouche qui est là, ce qu'il y a dedans, c'est pas bon. Bon, il y a t'envoyer en prison, pourquoi? Parce que tu m'as insulté, tu vas t'envoyer en prison. Bon, pourquoi il doit t'envoyer en prison? Il faut que quelqu'un m'explique. Si on peut bagarrer, on bagarre. Tu insultes ma mère, je t'insulte ta mère. Voilà. Bon, je vais aller porter plainte parce que tu m'as insulté, c'est par rapport à quoi? Donc, ce qui veut dire que vous êtes dangereux, moi, je dois faire très attention à vous. Voilà, ce qui veut dire que moi, quelqu'un qui réfléchit comme ça là-bas, il ne doit pas causer à moi. Ce qui veut dire que tu es très dangereux. Voilà, si toi tu peux mettre quelqu'un en prison parce qu'il t'a insulté, c'est que tu es très dangereux. Par exemple, toi tu préfères gâter sa vie au fait. Il faut gâter sa vie parce qu'il t'a insulté. Il y a des injures, tu peux faire vieux ignorer. Il y a des tuiles, tu peux voir, mais tu fais vieux ignorer. Si tu peux réagir, tu réagis.
Mais envoyer quelqu'un en prison, pas parce qu'il insultait, pourquoi? Même si, Ramos, laisse ton discours là, moi je suis pas dans ça, moi je risque de te bloquer. Hein. Moi je suis pas dans ça, hein. Moi je risque de te bloquer sur ma part, moi je suis pas dans ça, hein. Voilà, moi je te boignant, tu me boignant pas, moi je suis pas dans ça, hein. Fais ta mentalité ça là, moi je préfère te bloquer sur ma part, moi je suis pas dans ça, hein. Donc, ben, ces femmes, ils ont insulté, elles doivent enfermer la personne. Toi, tu ne connais pas ce qu'on appelle le sens du pardon. Tu ne sais pas qu'on ne répond pas au pied d'un âne. Et que quand tu ne peux pas faire quelque chose, il y a des choses que tu peux laisser tomber. Ou bien il y a des discussions qui peuvent s'appliquer. Ou bien chez vous là-bas, là, en Côte d'Ivoire là-bas, vous n'avez pas dit que quand il y a un problème entre deux familles, on appelle les grandes personnes pour régler. On enferme quelqu'un parce qu'il a insulté. Toi, tu n'as jamais insulté quelqu'un. Ou bien quand vous prenez les présidents matin, midi, soir, vous rentrez dans la vie privée, vous êtes déjà enfermé par rapport à ça. Vous-même, vous êtes dans la politique, non? Vous êtes, les babos et tout là, c'est vos amis. Quand vous parlez à Babo, André, vous parlez à votre ami, non? Hein? On vous a déjà enfermé pour ça. On ne vous a jamais dit que parler même de la vie privée de quelqu'un là, on peut t'enfermer pour ça. Vous-même, vous êtes dans un corps qui ne respecte rien, et c'est vous qu'on parle, vous voulez jouer les trucs. Même quand vous parlez de politique, vous êtes en train de critiquer les grandes personnes comme ça. Vous n'avez pas peur. Mais on vous a enfermé pour ça. N'importe quoi. On n'aime pas ça. Hein. On est en train de parler, le gars est malade là-bas. Le gars est malade. Vous pensez que c'est votre Dabashi là qui a créé quelque chose. Le gars est malade. Bon, ok, il a insulté quoi? Il a dit quoi? Bon, pour une histoire de pute, il est malade. Mais pourquoi ils sont en train de pleurer sur Facebook pour dire non, qu'il ne faut pas l'enfant des gens va décéder là-bas? Les gens qui disaient que c'était bien fait là, pourquoi ils disent qu'il ne faut pas décéder là-bas? Parce que c'est vous les mêmes encore qui viendrez dire ici que non. Mais la fille, elle envoie l'enfant des gens là-bas, l'enfant a pris une maladie là-bas. Quand même, moi je dis ici qu'on vit dans un monde là. Si on se pardonne, si on apprend à cultiver l'amour, il y a beaucoup de choses qu'on peut changer sur cette terre. Si on apprend à cultiver l'amour, le gars ne t'a pas attaqué avec une armée, il a juste parlé dans sa bouche. Et même quand tu vas à la justice, là, tu as le droit de dire que tu ne fais pas ça pour l'enfermer. Voilà. Vous n'avez jamais vu ça. Tu arrives au, comment on appelle ça, devant le commissaire, même devant le chef de gendarmerie, et puis tu dis non, que moi là, je ne suis pas venu pour l'enfermer. Que je suis venu juste pour qu'il arrête. On a suivi ça ici. Nous, on était là-bas, on a suivi ça ici. Le grand frère est venu, puis il a dit franchement, moi je ne vais pas l'envoyer en prison. Hein. Tout ce que moi, il veut là, il faut qu'il arrête de parler de moi. Et puis ils ont libéré le gars. Mais quand tu as poussé quelqu'un, il t'a insulté, on te dit qu'il sent la marque, puis toi tu es content. Et puis tu viens dire non que oui, hein, le jour quelqu'un va m'insulter. Si moi un jour je devais faire quelque chose, il n'allait jamais parler dans la politique. C'est qui m'envoie une demande là? Tu veux dire quoi? Oui. Oui, bonjour. Bonjour. Oui, excuse-moi, c'est la première fois que je monte, donc je suis un peu stressée. Merci de m'avoir accepté. Tu veux dire quoi? Oui, en fait, je ne suis pas ivoirienne, hein, je suis gabonaise, mais je suis tout ce qui se passe sur les réseaux sociaux. Qu'est-ce qui se passe? Voilà. Donc, moi, je suis pas très, très d'accord avec ta manière de défendre les choses. Je comprends très bien que ce soit un être humain, donc ça veut dire qu'il peut très bien faire les erreurs comme tout le monde, mais il y a des limites, en fait. Il y a des limites. Ce que je veux dire, c'est que... Allô? Donc, je disais ici que moi... Pour moi, là, hein, Marie-Paul a dit devait pardonner. Est-ce que vous comprenez? Marie-Paul a dit devait pardonner. On t'a parlé d'une histoire d'Ivoirien. Toi, tu es étranger, tu as venu dire quoi dedans? Aïe. Forcément, tu as venu pomper. Mais toi, tu ne sens pas la colère que nous, on sent. Nous, c'est deux Ivoiriens qui sont en problème. Toi, tu es quitté au Gabon. Toi, tu peux venir dire quoi dedans? Ou bien? Au moins, c'est un Ivoirien, moi, il veut comprendre, parce que c'est un Ivoirien. C'est Marie-Paul a dit, elle est Ivoirienne. C'est observateur, elle est Ivoirienne. Là, tu guides là-bas, toi, ton cœur, c'est quoi, les gars? Tu as venu mettre le truc dedans, quoi. Ou même, le fait qu'il ait dit avant ma vidéo que
Je ne suis pas d'accord pour le propos d'observateur. J'ai dit de prime abord, au début de ma vidéo, j'ai dit ça. J'ai dit, je ne suis pas d'accord avec le propos d'observateur. Mais Marie-Paul, en tout cas, la jeune dame pouvait pardonner. Arrivé à un stade de la plainte, elle pouvait pardonner. J'ai dit ça. Je n'ai pas dit que je suis d'accord. Je suis contre le fait que pour une insulte, on envoie quelqu'un en prison. Tout en sachant que là-bas, là, il y a des criminels, il y a des violeurs, il y a toute la merde là-bas. Il y a tout ce qui n'est pas bon là-bas, puis on t'envoie là-bas. On peut pardonner pour ça. On peut pardonner. Oui, je ne suis pas d'accord avec ce qu'il a dit. Voilà. Mais camaraderie, camaraderie, je peux dire ça. Mais je ne suis pas d'accord pour ce qu'il a dit. J'ai dit ça au début de ma vidéo. Mais Marie, en tout cas, la jeune fille pouvait pardonner. C'est ce que je dis. Quand tu viens là, moi, il prend. Tu as envie de rire en même temps. Rien mais t'as. Tu rires en même temps. Eh ben, il était bon, c'est ma tête, c'est un maillard pour la guerre. Pardonnez quoi? Hein? Pardonnez quoi? On pardonne quoi? C'est quand c'est ma tête à dire. Ouais. On pardonne ça quoi? Mais dis, c'est pardonnable. Oh, c'est ça, il est en prison là. Mais c'est pardonnable. Je n'ai pas dit qu'il n'est pas en prison. Je n'ai jamais dit qu'il n'est pas en prison. Je me dis que c'est pardonnable. Voilà. C'est quelque chose qui est arrivé à un niveau de la plainte. On pouvait dire simplement que, voilà, moi, franchement, arrivé à ce niveau-là, je demande à ce que, franchement, qu'il ne m'insulte plus ou bien, voilà. Parce que face aux autorités, il y a des mots qui peuvent sortir et que lui, vu qu'il voit qu'il est en danger, ou bien, voilà. Mais voir quelqu'un partir à la maca parce qu'il l'a insulté, franchement, ça fait chaud au cœur. Mais il Ça a eu quoi? fait mal. Il a eu quoi? Il a eu quoi? Elle a eu quoi? Pourquoi tu dis il y a problème avec lui là-bas, la maca là où il est? Bah, après, moi, j'ai suivi une vidéo. Bon, je vais pas mentionner des blogueurs ici. De toute façon, il y a suivi des directs. Comme quoi, après, j'ai suivi la vidéo déjà. La vidéo du jeune frère qui est allé voir Observateur, qui a dit non, que Observateur est dans un état délabré, que ça ne va pas, son état de santé. Et puis, j'ai suivi des directs. Voilà, pas des moines qui disaient que Observateur est malade en prison et tout, qu'on sort et tout. Donc, fallait qu'on fasse un geste auprès des autorités compétentes de Côte d'Ivoire pour ne pas que quelque chose arrive de mal. Voilà, donc c'est un peu ça. Allô? Oui, Sinon, c'est la période d'adaptation. hein? Je C'est la t'écoute, période d'adaptation. C'est comme ça, quand tout être humain va dans ce genre de lieu-là, il tombe forcément malade. Parce qu'il faut que le corps s'adapte et l'adaptation. tout, les conditions de vie et tout. Voilà, donc c'est pour ça qu'il est dans cet état-là. Et je pense que si on tempête un peu, il pourra avoir la grâce présidentielle. Parce que c'est en août, là. La Là, on est en quoi? période d'adaptation. Ouais, ok. C'est la période d'adaptation. Hein. Oui, bonne conduite, excuses répétées et tout. Moi, je pense que de vraies excuses, vraiment honnêtes et tout. Je pense parce que vous ne savez pas ce que la fille a vécu, en fait. Observateur, c'est vraiment foutu de sa gueule. Il n'a pas rigolé. Il a mis ça dans l'amusement et il a insinué beaucoup de choses. Les gens y ont cru. Et ça l'a suivi. Des fois, même, tu ne sais pas, peut-être assis, crie pas, et puis peut-être même son copain peut lui jeter son visage. Tu ne sais pas. C'était vraiment. Si moi, je dois prendre mon expérience, les gens, si tu as posé question aux gens, tu peux jurer que toi et puis moi, il y a quelque chose. Ils peuvent jurer sur tout ce qui est rentré, même si on les paye. Mais malgré quand on était dans nos bêtises, tu vois. Chacun a eu à dire, moi, je reconnais bien ce que j'ai dû à dire C'est aussi. obligé de venir me mon gars. C'est C'est ça, il n'y a pas de pas sommeil. parce que c'est un Oh, exemple ouais, laisse aussi. C'est un tomber, là, exemple, c'est c'est le pas même comme genre ça. de truc. C'est parce que moi, il a répondu. Sinon, c'est le même chose. Moi, j'ai répondu. Je ne me suis pas laissé faire. Marie-Paul a répondu autrement. Mais est-ce que moi, j'ai été gentil avec toi? Je n'ai pas été gentil avec toi. Je suis allé loin. J'étais même blessé. Je suis allé très loin. Moi, Ça, tu tu peux m'as pas comprendre? blessé. Ah bon? OK. Donc, bon, je pensais que tu étais allé loin. Dieu merci que je ne suis pas allé loin. Non, moi je Dieu m'en merci. vais blesser. Moi, c'est moi-même, je pense. Moi, j'étais dans mon. Je sais pas. Bon, je ne veux pas revenir dessus. Maintenant, si tu veux qu'on en parle, on peut en parler. Non, 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 parle pas, mais il veut te faire comprendre que, en tout cas, moi, c'est ce que j'ai ressenti ici, mais à la place de la personne, je vais aller chercher un exemple de ma vie qui est un peu similaire. Donc, c'est pour ça que j'en parle. Mais c'est pour te faire comprendre que On dit là, ça comportement perdure, en divide. fait. On dit que tu as comportement divide, que tu veux ramener tout à toi. Mais c'est la vérité, c'est le genre de mensonge que j'en ai pas fait, en fait. C'est le genre de mensonge que j'en ai pas dit sur une femme. Vous ne savez pas ce qu'une femme est prête à faire pour laver son nom, en fait. L'image qu'une femme peut avoir, c'est pas banal comme pour les hommes, en fait. Une femme, ça lui colle. Et pour avoir réparation, c'est difficile. Donc, quand on dit que la fille
ne pouvait pas pardonner. Pendant que les gens ont cru et ramenaient ça tout le temps, je trouve que c'est méchant. Parce que si elle ne Mais faisait famille, rien, montez, hein, vous avez le droit de monter. Hein. si elle ne faisait rien, les gens allaient dire que c'était vrai. Il fallait qu'elle passe à l'action. Donc, ça doit être un enseignement aux gens qui ont tendance à faire ce genre de choses sans penser aux conséquences. Et observateur, je pense qu'il va être libéré. Parce que je pense que beaucoup de personnes ont fait des vidéos. On t'entend parler, on t'entend parler, ce qui veut dire simplement que aujourd'hui là, parce que quand on parle à l'os, quand on parle au chien, il faut savoir aussi parler à l'os. Si aujourd'hui, observateur, on doit dire que une personne qui se fait injurer et tout et qu'on sort, voilà, doit faire justice de part et d'autre. C'est-à-dire que si elle peut pas se défendre de façon directe, elle peut passer par les juridictions aussi pour se défendre. Ce qui veut dire aujourd'hui là, avec tout ce qu'on voit sur les réseaux sociaux aujourd'hui, parce que comme je le dis, ivoirien qui vient dire que son ami insulte là, c'est le bébé du porc qui dit à sa mère que ta bouche est longue, ou même ton museau est long, parce que on est sur la toile ici, on sait comment on se mêle de la vie des gens, sans même qu'on nous appelle, et on sait comment ici aussi les injures là, ça fuse de partout. Comme des trucs. Donc aujourd'hui, là, si vous demandez aujourd'hui que Marie-Paul a dit ce qu'elle a fait là, moi je n'ai pas dit que je cautionne je cautionne pas. Hein. Voilà. Mais moi je dis qu'elle pouvait pardonner. Si vous dites que la manière de faire, c'était la bonne des manières et que c'était une manière de s'exprimer aussi. Mais le jour que ça va arriver pour autrui, ne soyons pas choqués au fait. Ne soyons pas choqués parce qu'on n'entend plus Est-ce que pire tu que l'as ça. vu demander Sur la pardon? toile ici, on n'entend plus pire que ça. Est-ce que tu l'as vu demander pardon? Non, c'est ça que je dis là. Sur la toile ici, on n'entend plus pire que ça. Il n'y a même pas de Mais quand pardon tu de dis rien. qu'elle ne doit pas pardonner, pendant que où on est actuellement, elle a à mesure de ne rien faire. Donc normalement, son nom ne doit pas être cité parce que c'est trop tard. En fait, bonsoir. Moi, j'ai une question. Vous avez une question Ah. pour qui? Pour elle, pour la dame qui est en train de s'exprimer là. En Non, fait, mais quand vous faites. tu. Non, non, non. Attendez, attendez. Je veux qu'on soit clair. C'est un débat. Je ne veux pas que vous commenciez à l'agresser. Vous ne voulez pas que Non, quelqu'un pourquoi? agresse quelqu'un. Parce que tu regardes que tu commences l'agression, je Non, démissionne. pour quelle raison? On est tous des humains, Voilà, on c'est peut une pas finir question. comme Après, tu ça. peux développer dessus, tu donnes ton point de vue aussi. Non, Merci, j'ai même pas, dit. même pas, loin de là, même, loin de Merci. là. En fait, comme tu l'as si bien dit tout à l'heure, là, je ne soutiens pas le fait qu'il ait injurié la dame. Moi, je ne Voilà. soutiens pas. Et Voilà, puis, je voilà, préfère il aussi a la dit, même. franchement, c'est quelque chose qui met en mal l'image de la dame, c'est normal. Mais par exemple, là, comme tu l'as signifié, on va pas aller jusqu'à l'extrême pour quelqu'un qui a dit ce genre de choses. Voici Emma Louès. Qu'est-ce qu'ils n'ont pas dit d'elle? Qu'est-ce que les gens ne disent pas d'elle? Sur les plateaux télé, sur la toile et tout. Imagine-toi que cette dame-là portait plainte. Je pense qu'il y a tellement de personnes qui allaient se retrouver derrière les barreaux. Parce que si on veut parler d'intégrité à l'image, là, Emma Louès a subi et elle subit vraiment assez de choses, tu vois. Je ne dis pas ça pour essayer d'atténuer la circonstance, mais je me dis en toute chose, là, quand il y a certaines causes ayant une personne, c'est parce qu'il y a une certaine affinité. Observateur Marie-Paul a dit, il peut dire que c'est comme des frères, parce que c'est pas aujourd'hui, ces deux-là se côtoient. Tu vois? Donc, ce qui est arrivé, l'idéal aurait été, par exemple, tu contactes le gars, c'est quand c'est en quelque sorte des potes, par exemple, souvent il a des événements, le gars la soutient dessus. Ça, c'est quelque chose qu'on peut pas, on peut pas renier. Tu as fait telle ou telle chose, ça ne m'a pas plu. Et puis bon, voilà, on essaie de gérer la chose autrement. Sinon, je pense bien que dans sa vidéo, il a reconnu que c'était une erreur. C'était pas Après, Marie-Paul même, il qui. s'est excusé, même. Oui, bien sûr. Comme elle demandait Mais si c'était on dit que injurié. l'excuse n'était pas sincère. Moi, je ne sais pas comment on demande Oui, tu pardon. comprends. Voilà, après là, les Les choses sont trucs de fait parties gérés dans. dans la comédie, c'est ça le problème. Mais c'est un Non, comédien. Vous voulez qu'il fasse quoi? faut pas forcément voir ainsi. Tu vois, non, faut pas C'est un forcément voir comédien. ainsi. On se bat que c'est un Voilà. comédien. Donc, s'il fait quelque chose dans la comédie, moi, il ne voit pas qu'est-ce qui est mauvais. Tu vois, non? Voilà, même Emmanuel Keïta, l'autre qui dit, c'est vrai, en fait, pour dire quoi? En Côte d'Ivoire, ici, là, on sait tous comment on se comporte. On a l'habitude de se taquiner. Voilà, on a l'habitude de se taquiner. Donc, dans ce sens-là, sincèrement, ce que moi, j'ai Tapotez constaté, le live, s'il vous plaît. Tapotez le live. quand j'ai analysé la situation, ce que j'ai constaté, c'est que derrière Marie-Paul a dit, là, il pourrait avoir, par exemple, son copain qui n'est vraiment pas content, qui a voulu prendre l'affaire en main, et puis dit non, c'est comme si on a bafoué l'intégrité de ma chérie et tout. Donc voilà. Sinon, la dame, là, moi, je sais qu'elle aurait voulu pardonner. Mais c'était arrivé à un certain point où elle ne pouvait plus gérer la situation, en fait. C'est ce que moi, j'ai constaté. Bah après moi c'est mon constat. Je me suis dit qu'à arriver un moment il y a des gens derrière qui ont dit non faut pas laisser l'affaire parce que sachez que observateur quelque part aussi là il était beaucoup détesté aussi C'est parce ça. qu'il a commencé quelque chose à lancer des piques aux gens donc les Ivoiriens aussi me prenaient trop à cœur ce qu'il faisait donc à un moment donné il était beaucoup détesté. C'est pour ça même son arrestation même là il y a beaucoup de personnes qui jubilaient sur la toile. Voilà, il était Bien arrivé sûr, un moment bien il était sûr. beaucoup détesté. Vas-y, Ouais, faut chuter s'il te plaît. ok.
Claire Adjo, ouvre ton micro, s'il te plaît. Claire Adjo, ouvre ton micro. Oui, vas-y. En fait, tu n'as pas connexion avec Claire Adjo. Claire Adjo, faut enlever ton écouteur, s'il te plaît. Voilà, ok, d'accord. Faustine, ouvre ton micro. Adjo bien Adjoa là, elle n'a pas de connexion. Ben bonsoir. Bonsoir. Voilà. Oui, Bonsoir à vas-y. tous. Et vraiment merci de vraiment nous donner aussi l'occasion de nous exprimer sur, on va dire, sur ce débat-là. Ben, il faut dire que observateur, c'est quelqu'un que moi personnellement j'aimais très bien. J'aimais vraiment très bien. Et jusqu'à quand il a commencé vraiment à s'attaquer aux gens, il faut dire que il avait commencer à changer sa manière de faire sa comédie. Et ça, c'est pas tout le monde. On va dire que tout à l'heure, le gars, il a pris un exemple sur Emma Lewis et Emmanuel Keïta. Tout le monde n'a pas la même manière de gérer les choses. Voilà. Chacun a son tempérament. Peut-être que Emma Lewis, elle gère pour être dans le silence, mais c'est pas tout le monde qui peut accepter ce qui s'est passé. Et puis, on va dire que observateur s'est excusé, mais s'est excusé comment? S'est excusé Non, comment? pour toi, on De la s'excuse comment? sincérité aussi? Pour toi, on s'excuse comment? Faut dire pour toi, ta manière, là. Comment on Oui, s'excuse? mais attends, une excuse là, quand une personne s'excuse, même quand tu regardes le visage de la personne, déjà tu sais que la personne est sincère. Mais quand tu balances le truc avec un air moqueur du genre, bon, ok, oui. C'est vrai, peut-être que la personne n'a pas aimé, donc tu dis juste ça pour t'en débarrasser. Tu dis juste ça pour t'en débarrasser. L'excuse d'observateur n'a pas été sincère. Moi, je suis pas d'accord. En fait, je vais dire que je suis pas d'accord du fait qu'il soit vraiment en prison. Ça, c'est pas un souhait. On souhaite pas ça à quelqu'un, même à son pire ennemi. Mais la façon, la manière dont le truc même s'est passé, on sentait que le gars, c'était de manière désintéressée. Et puis, en fait, il ne mesurait pas la gravité de la chose, en fait. Il ne mesurait pas, il ne voyait pas la tournure que ça allait prendre. Il voyait pas, il n'a pas mesuré ça. Peut-être que c'est au dernier moment qu'il a vu que vraiment c'était grave, mais il était trop tard parce que le Apparemment, truc était déjà apparemment, il avancé. jouait beaucoup sur l'alliance. Voilà, c'est comme moi, je peux voir un bon quelqu'un, un ce nouveau qui est sur la toile. Bon, moi, si moi, comme ça, là, moi, je suis Yaka Yaka d'une manière, je peux mettre ça dans le jeu de l'alliance. Parce que pour moi, là, c'est D'accord. ce nouveau, il a le droit de tout dire. Est-ce que tu comprends? Mais si c'est quelqu'un qui n'a pas, qui ne comprend pas, qui comprend pas mon geste, est-ce que vous comprenez? Au nom de, il peut ne pas comprendre le jeu de l'alliance. Apparemment, les gens disent. En tout cas, j'ai suivi un peu les interventions. Les gens disent qu'ils jouaient beaucoup sur l'alliance. Vu qu'entre eux, il y a une alliance. Donc, ils jouaient beaucoup sur Ben l'alliance. oui. Voilà. Quand on joue sur l'alliance aussi, il y a une manière de faire. Quand on joue sur l'alliance, moi je suis Annie. Et on va dire qu'il est baoulé, donc il y a alliance entre nous. Ah, bon, Mais si les gens moi me je disent veux dans les me. commentaires qu'il a dit ça. Il a dit que c'est l'alliance. Bon, ok. Quand c'est l'alliance même là. Même quand tu dis baoulé bête là. Toi là, bon, par exemple, les propos qu'il a donnés là. Mais quand on l'a écouté, on a vu sa vidéo, tout et tout, il n'est pas passé sur l'alliance. Parce que si c'était sur l'alliance, il pouvait même quand il s'excusait, même je vais dire, avec un air, on va dire, moqueur même, il pouvait même se baser aussi sur l'alliance pour dire, oui, Ceux qui effectivement, disent bon, qu'on ne dit pas tout dans c'est l'alliance, une chez histoire nous on dit d'alliance, tout, hein. tout. Chez nous on a le droit de dire tout. Chez nous on dit tout. Ça. Ok, d'accord, oui, on dit tout, c'est vrai, oui, mais il y a, c'est pas tout aussi, on dit. Parce que elle, d'abord, c'est une dame d'affaires. Elle a son image à préserver. C'est une femme au foyer. Donc, comme on le dit, peut-être qu'elle, quelque part, elle voulait laisser, mais c'était déjà avancé. Donc, vraiment, vivement que Dieu vraiment lui accorde la santé. Je pense qu'il va s'adapter. Puis, prions pour que vraiment, il obtienne la présidence. Moi, c'est ce que je veux dire, en tout cas. Voilà. Ok, d'accord, Bichou, vas-y. Bichou, ouvre ton micro. Bonjour, 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 bonjour à tous. Ouais, Bon, moi, vas-y. je pense que ici, Observateur a été plus dans l'alliance. Pourquoi je dis ça? Parce que j'ai vu une vidéo où les gens ont pris une petite partie
Ils n'ont pas été plus loin. Mais quand tu vas plus loin, tu entends très bien observateur, on dit Baoulé, il dit Baoulé. Mais déjà même, dire que non, que dans l'alliance, on peut dire certaines choses, puis ne pas dire certaines choses. Seulement qu'il faut comprendre que dans le temps, les deux personnes-là étaient déjà des amis dans le temps. Et peut-être qu'ils se sont séparés en queue de poisson, sans que personne ne le sache. Il y a peut-être ça aussi. Mais il s'est dit, mais comme c'est les réseaux sociaux, je peux toucher à tout. Donc, il va toucher à cette dernière-là, ce qu'on entend normal. Si toi et moi, on a été amis, on s'échange les numéros. Tu as mon numéro, j'ai ton numéro. Je n'ai pas aimé ce que tu as fait. Au préalable, qu'est-ce que je vais faire? Je vais t'appeler toi d'abord pour te dire que, ah, franchement, la vidéo que tu as faite là, ça ne me plaît pas parce que où je suis arrivé aujourd'hui, j'ai une image à préserver. Maintenant, s'il y a possibilité que tu t'excuses par rapport à la vidéo, moi, franchement, ça me ferait plaisir. Je pense qu'en tant qu'ami, on peut dire ça. Donc, si l'histoire est arrivée ou c'est arrivé, peut-être qu'il y a eu un quiproquo entre les deux et que donc le courant ne passe plus comme dans le temps. Parce qu'au moment où il parlait de Marie-Paul Adjei, il faut reconnaître que Marie-Paul Adjei, elle n'était pas encore montée comme elle est aujourd'hui à son apogée. Donc, tu allais trouver que bon, ça, c'est plus trop ça. Et donc, il a voulu s'amuser, mais elle n'a pas peut-être compris le côté où, voilà, et puis il a dépassé les bornes. Il faut dire la vérité, il faut dire c'est qui. Hein. Non, mais aujourd'hui, il a dépassé les bornes, c'est clair. Non, il a dépassé les bornes. Pour moi, s'il n'y a pas rien, s'il n'y a rien, dis ça à quelqu'un, c'est grave. C'est grave, mais, franchement. Bon, moi, je me dis, je dis que je parle à mon nom, je ne parle pas au nom de quelqu'un, je parle à mon nom, je me dis simplement qu'il y a des choses qu'on peut pardonner. Je ne dis pas que tout le monde est comme moi. Hein. Moi, je ne dis pas que tout le monde est comme moi. Moi, je dis qu'il y a des choses qu'on peut pardonner. Il y a des choses que ça peut arriver, oui. Et puis, on essaie de taper un peu sur la table. Et puis, après, on laisse tomber l'histoire. Moi, prendre quelqu'un pour l'envoyer à la maca parce qu'il est insulté, moi, je vois ça trop. Moi, c'est ce que moi, je me dis, au fait. Allô? Oui, allô, Loli, tu vas bien? Oui, ça va, c'est qui? C'est Kinta Kunte. Oh, Marival. Eh, hey, Marival, elle est là. Mariri. Mariri. Attends, je viens. Toi et moi, on s'est laissé. Je viens. Donc, ici, concernant Marie-Paul Adjei, je pense que c'est, comment dirais-je, c'était une histoire qui ne devait pas aller jusqu'à la maca. Ça, c'est clair. Il y a tu souris pour pas. T'es content, il y a tes deux gosses là. Vous avez senti que moi, regardez mes verres ici. Donc voilà, moi je pense que ça n'est pas arrivé jusque là. Maintenant, dis que moi franchement c'est pour donner une correction. C'est des choses encore qui peuvent s'arranger. Même 2-3 jours, mais c'est bon. Quand on se va te la quitter dans ça 2-3 jours là, c'est sûr que quand il va revenir là, il va plus faire les choses de la même manière. Vous savez, c'est quelque chose qu'on n'a pas beaucoup tapé là-dessus sur les influenceurs et les blogueurs. Faut reconnaître. Et donc, il s'est dit, ben, moi, je suis dans mon truc de comédie et tout ça. Pendant que les gens, ils taquinent tout le monde. Et puis, il est quitté en France. Bon, il rit, là, c'est pourquoi. Ouais, Yakuba. Les gens sont bêtes en commentaire. Tu vois ce que tu veux créer? Tu es venu déconcentrer mon live. C'est ça. Toi. Il a fait quoi? Ouais. Vas-y. Elvis, t'as vu l'effet que tu fais? Elvis, tu as mauvais point. Il a fait quoi? Hi, tu là, il t'écoute. Pas ça. Ah! Il y a pas longtemps, tu m'appelles pour moi. Lunique, tu n'as pas quelqu'un pour laver tes chaussures plus pour tes deux femmes les unes là. Mary, c'est Nick Kramba. C'est Nick Kramba. Quand tu es à Abidjan là-bas, vu que tu connais tout l'histoire et tout le concept, qu'est-ce qui se passe là-bas? L'alias là. Attends d'abord, Loli. L'alias ne permet pas les injures intimes. Tu comprends? Il faut dire c'est chez vous. Non, écoute ce qui a été dit. D'abord même là. Écoute, pour le moment, je ne confirme pas. Écoute-moi. Faut te calmer. Hey, Yakuba, hey, y a des choses, on se dit là, c'est Dieu ce qui connaît. Hein. Mais Yakuba, mais ils ont une chanson, non? Ils ont une chanson qui dit Yakuba connaît quoi? Baiser. C'est-à-dire que si Alliance est rentrée, ils ont insulté en bas de ta maman, ça va te dépasser. Écoute, écoute-moi. L'Alliance là, c'est quoi?
c'est lorsque toi tu es là, ton allié est là, vous deux vous êtes présents sur le lieu, vous pouvez faire votre alliance. Tu comprends? Mais l'alliance là, quand tu soulèves ton téléphone parce que tu fais alliance avec quelqu'un et la personne n'est pas présente et puis tu fais les injures, c'est pas alliance. La personne, c'est-à-dire moi, il fait alliance. Qui est Baoulé? Je peux dire, il fait alliance avec une fille Baoulé. Et puis, elle n'est pas sur mon live. Les gens nous ont pas vu sur le live, en train de se titiller une fois sur le live. Et puis, j'allume la vie. Non, la fille, là, c'est une pute. La fille, là, c'est une coquille. Pourtant, nous n'a pas vu titiller sur le live. C'est comme toi et moi. Je suis monté sur ton live. Les gens nous ont vu 400 personnes. On sait pas qui est dans le live. Et puis, il descend. Et puis, tu commences à m'insulter. Et puis, les gens m'appellent pour dire, c'est l'unique en train de t'insulter. Mais j'étais dans son live là-bas. On s'est insulté, nous deux. On a ri, nous deux. Mais tu n'es pas dans le live de la personne. L'alliance n'est pas comme ça. Les gens n'ont pas bien demandé. Les gens sont. Et puis, jusqu'après, ils continuent de mener les enquêtes. Parce qu'il se pourrait que dans le passé, les Baoulés, les Agnis ne faisaient pas alliance avec les Baoulés. Je crois bien que les Agnis font alliance avec les Andors. Tu comprends, non? Jusqu'à présent. Non, mais donc, moi, là, je ne dis pas que je cautionne ce qu'il a dit. Je ne cautionne pas. Tu sais, écoute, toi, tu as pour toi. C'est ce que tu as dit tout à l'heure. Tu te vois pas en train d'envoyer quelqu'un en prison. Tu comprends, non? Moi, j'ai pour moi. Je me vois pas en train d'envoyer quelqu'un en prison. Chacun a son bagage sur sa tête. C'est à toi de savoir charger. Tu comprends? Sinon, en réalité, il n'y a pas alliance entre Annie et puis Baoulé. C'est entre les Annie et puis les Andor. Jusqu'à présent, parce que je vais partir au village, même demander encore à mon grand-père pour qu'il m'explique. Très bien. Tu comprends? Pour qu'il m'explique très bien. Parce que les gens sont là. Non, il y a alliance. Je vois les Baoulés. Quand tu t'en souviens là, les Baoulés ont changé. Quand tu leur poses question, les Baoulés ne peuvent pas répondre. Tous les Baoulés, tu les vois sur TikTok là. Quand tu leur poses question, ils ne peuvent même pas répondre. Tu leur demandes à quel moment Annie a fait alliance avec Baoulé. Annie a accepté l'alliance de Baoulé. À quel moment? Ils ne connaissent même pas le nombre de pièces que nous, les parents Annie, on a accepté pour qu'on fasse alliance avec eux. Ils ne connaissent pas. Ils ont payé. Ils ont payé. Ça quoi, c'est dit toujours aux gens que nous sommes sur les réseaux. Mais les coutumes là, c'est très important. Il faut maîtriser. Les Baoulés ont payé pour pouvoir faire alliance avec les amis. Ils ont payé. C'est que tu comprends, c'est une diffamation. Hein? Oh, il faut les calmer. C'est quoi que tu appelles diffamation? On t'a dit chez moi là. Tu peux te réjouir. Tu as les plus. Ils n'ont qu'à porter. Ça, c'est le problème. Est-ce qu'ils maîtrisent la tradition qui va? Il va jamais accepter d'être esclave des Baoulés. Ah, il doit aussi. Il va passer où même? Ils ont payé. Je t'ai dit, l'unique. Ils ont intronisé mon. Écoute. Baoulés, jamais. Les esclaves de la savane. Les Agnis dont nous sommes dans la forêt. Non, l'unique est cool. Comment un esclave qui est dans la forêt peut être esclave de quelqu'un qui est dans la savane? Il y a une logique aussi dans les alliances. L'unique, tu vas jamais voir un Baoulé en sens réel. Tu vas jamais voir un Baoulé quand même. Essayez d'aller l'histoire même plus d'un peu pour aller comprendre le plus l'histoire encore. Comment ça? Maintenant, je vais demander à mon frère Séni. Quand on dit alliance là. Motion, pardon. Motion. Motion, voilà, motion, pardonnez. Lui, voilà, ce que je voulais demander à Séni, mon frère. Quand on parle d'alliance là. Alliance. C'est peut-être toi avec ton papa. Tu peux faire alliance avec papa, tu ne peux pas faire alliance avec maman. On est d'accord. Moi, peut-être, je suis Baoulé, je peux faire alliance avec telle ou telle ethnie, mais je ne peux pas aller au-delà et insulter, par exemple, si Séni, lui, il est Baoulé, que moi, je suis Agni. Je peux insulter Séni. Son papa voleur, sa maman voleur, toute sa famille des voleurs. Mais je ne peux pas insulter la mère de Séni voleur. Ça ne fait pas partie de l'alliance. Donc, alliance, c'est vrai. Quand on veut faire, on va souvent faire ça va faire les trucs à nos manières. Il ne faut pas dire que non, parce qu'il y a alliance, j'ai le plein droit d'insulter qui je veux. Non, non, non. Tu peux insulter, mais si ça tient, si ça vient, si côté alliance, là, on est d'accord. Moi, je peux insulter le papa de Séni, parce qu'il y a alliance entre moi et puis lui. Mais je ne peux pas aller insulter maman de Séni. Il n'y a pas alliance sur côté maman. Tu vois un peu, c'est ce qu'il veut dire, alliance là. Il pouvait parler pour dire que moi, avec tel ou tel, il y a alliance. Mais de là, aller parler de. Fermez ton micro, pardon. Les amis sont pas jumelés. En fait, on s'est pas jumelés. Quand fermez le micro d'Edwige, on ne devrait pas joindre ça à l'alliance. Parce que comme. Mais c'est lui qui a dit, c'est pas nous qui avons dit, c'est lui qui a dit. Non, il n'y a pas de Séni, il n'y a pas de grand frère Séni, tu vois.
On ne devrait pas jouer ça à l'alliance. Non, c'est lui qui a expliqué comment l'alliance est quoi. Sinon, il n'a pas dit que. Non, non, ça moi, je n'ai pas pris les jus pour jouer l'alliance. J'ai dit l'alliance. L'alliance ne permet pas de voilà, lui, il parlait de l'alliance simple. Mais voilà. Je vais parler de l'alliance simple. Qui fait alliance, c'est moi. Même ma femme, même on suppose que ma femme a nié. Ma femme a dit, t'es pas oublié, moi aussi je suis allé, tu rentres chez moi, tu fais alliance, c'est moi. Mais tu insultes entre les jambes de ma femme, c'est que tu as quelque chose derrière. Ça ne se fait pas. Merci. Mais je sais que la prison, c'est parce qu'il n'a pas pris la peine de m'écouter. Moi, je soutiens ce que tu dis. Ah, d'accord. Voilà. Mais par rapport à la situation. Par rapport à la situation, moi, je pense que, comme tu l'as dit, là, ce n'est pas soutenable le fait qu'il ait, on va dire, bafoué l'intimité de la dame et tout. Mais. On aurait pu accorder le bénéfice du pardon et puis essayer de régler ça doucement pour ne pas que ça arrive là où c'est arrivé. Parce que même à ton pire ennemi, tu ne peux pas souhaiter, tu peux pas lui souhaiter d'aller à la maca, sincèrement. Surtout pour ce genre de choses. C'est pas que c'est faisable, c'est bien de parfois l'intimité d'une femme, mais je pense qu'on aurait pu régler la situation autrement. Maintenant, pour l'autre qui disait que ses excuses n'étaient pas sincères et tout, tu ne peux pas regarder forcément le visage d'une personne pour dire que ses excuses ne sont pas sincères. Après, là, on ne sait pas réellement s'ils ont eu, comme tu l'as signifié, peut-être un échange téléphonique qui s'est pas bien déroulé. Et du coup, ça a dû, comme on appelle ça, entraîner tout ce qu'on a vu là. Après, on ne sait pas réellement ce qui s'est passé derrière les téléphones. Mais bon, on espère qu'il aura une grâce présidentielle. Et puis bon, voilà. On donne grâce lorsque tu épuises la moitié de ta peine. Bon. Mais il a déjà 3 mois. Hein. Après, bon, on verra. Il y a des gens qui n'ont pas. Ce que moi je souhaite ici, faut que si franchement s'il y a une grâce, Dieu merci, s'il peut faire appel aussi, voilà, recours aussi, ça sera très bien, voilà, pour que l'observateur sorte, parce que moi je suis fier d'observateur, en tout cas qu'elle est dehors là, de par sa manière de motiver les gens, de par sa manière de pousser les gens à vraiment investir dans ce pays qu'on appelle la Côte d'Ivoire. Moi j'aime sa manière d'être drôle, voilà. Tout le monde aime ça. Je pique un peu, mais j'adore le gars. Oui, mais la plupart des personnes qui ont soulevé Didier Congélateur ont eu problème, hein. La plupart des personnes qui ont soulevé Didier Congélateur. Oui. Tu me vois, mon gars, ça c'est un débat, ça là. Mais toi, t'es qui? Pas débat, c'est lui, la tanasse, non, à déplacer les problèmes. Ça veut dire, tous ceux qui ont causé avec Congélateur, ils ont eu problème. Ça a quoi avec le frère? Mais observateur, et puis. Observateur, explique-moi. C'est pas mal quand même le problème d'observateur. Se retrouver à la maca, c'est vraiment désolant, quoi. Il faut que nous tous sentions une leçon de cette histoire-là, parce que vraiment. Normalement, même là, les blogueurs, là, nous les blogueurs, même là, les hommes de. On devait même, c'est dit que c'est quelque chose même qu'on est. On devait même essayer de se mettre. Voilà, pour essayer de. Mais comme on dit toujours, le fou qui est là, quand il danse là. C'est parce qu'il n'est pas de ta famille que tu rigoles. Tu es content. Mais quand il danse, il est là, il en fait un jaillement, il dit, ouais, le fou là. Ouais, il entend déjà fou. Mais quand c'est ton frère ou bien ta soeur qui a folie là, et puis tu la vois danser, puis tu vois les gens rigoler là, Dieu seul sait ce qui se passe dans ton cœur. Voilà, c'est pour ça que moi je dis, si je ne cautionne pas ces propos, mais ça ne veut pas aller loin comme c'est allé là. Mais voilà. Qu'est-ce qu'on peut... C'est ça, qu'est-ce qu'on peut bien faire? La fille, moi aussi derrière, je pense que Marie-Paul l'a dit, de par sa manière de voir, faire les choses et tout et qu'on sort. Soit elle est arrivée à un niveau où certaines personnes aussi lui disaient non, faut pas laisser, voilà, tout et qu'on sort. Parce que quelqu'un qui veut faire du mal à quelqu'un, ou même quelqu'un qui veut détruire quelqu'un, je ne pense pas que c'est ce genre d'attitude-là que la personne prend. Voilà. Mais j'espère que on a compris qu'il est malade, lui, comme Edwige l'a si bien dit, c'est sa période d'adaptation. Voilà. Il faut qu'il s'en sorte de là pour finir sa période d'adaptation et puis sortir tranquillement pour que, voilà, ça lui serve de leçon. Mais derrière là, ça ne lui sert pas de leçon à lui seul. Ce qui veut dire que dans ce pays là, même si c'est pas sur les réseaux sociaux, tu insultes là, on peut t'enfermer pour ça. Il faut que ça soit clair dans la tête de tout le monde. Voilà, parce que les injures là, moi je dis les injures, c'est quelque chose que les Ivoiriens banalisaient beaucoup. Parce qu'on a passé tout le monde. TikTok là, il n'est pas connu, il a pris 1 an de prison ferme. Hein. Qui? Le lendemain de l'observateur, il a pris 1 an de prison ferme. Il a insulté le film qui n'est même pas connu. Et puis la fille, là-même, elle insulte sur les réseaux aussi. Hein. Il s'appelle Yannick. Il a pris 1 an de prison ferme. Ah. C'est chaud, hein?
Mais c'est pas chaud. Moi, je pense que moi, j'ai fait mon petit village ici en France. Non, mais toi, tu n'as rien à craindre. Il n'y a rien à craindre. Ça va. Oui, tu es parti plusieurs fois, tu as changé ta méthode, tu es tranquille, il n'y a rien. Tu fais le game, ceux qui font le game, c'est toi qui t'attaques aux gens comme ça. Où est celui-là? Hein? Il a fait moi, mon. On va faire un petit village en France ici, on va rester tranquillement. Voilà, je pense que c'est ce qui va arriver. Il ne faut pas y arriver, tu dois me dire, tu ne pas la tranquille, mais j'ai dit que tu n'es pas à tu m'as dit, tu m'as dit, vas-y, quoi. Tu m'as dit, vas-y, dis-moi. Voilà. C'est quoi on dit souvent, la langue est bien plus chargée. Qu'on prête beaucoup attention à ce qu'on dit. Aujourd'hui, observateur, il ne savait pas ce qu'il disait là. Ça pouvait l'envoyer en prison. S'il savait que les mots, les paroles qu'il mettait sur la toile aujourd'hui, ça pouvait l'envoyer en prison, il n'allait pas tenir ce genre de propos. C'est ça, on dit. Même insulter. Même pour aller quelqu'un dans la rue, l'insulter que tu ne le connais pas là, on peut t'envoyer en prison pour ça. Voilà. Moi, je ne dis pas le fait qu'il est. Bonsoir. Hey, bonsoir à tous, ça va. Tu fais ce genre de commentaire YouTube, bloque. On n'est pas dit que tu parles de Attends, j'ai une intervention là, je voulais monter 10 minutes et descendre. Oui, on dit, il n'y a pas de porte non. Oui, mais vous là, mais vous avez qu'à préparer la couture. La fille a fait son baisse de villa 150 millions. Laissez, on va parler de ça d'abord. Baisse de villa. C'est quelle jalousie vous avez sur la fille là? Toi, mec, là, tu peux péter là, comment dire? J'ai dit, Nous, on va parler de monnaie qui t'a dit. Oh, laisse, on va parler de Marange, chérie, si la villa. La fille, il y a longtemps, n'a pas eu besoin. Elle a même payé même passage, même ma showbuzz pour pouvoir parler, pour que ça enflamme. Vous-même, vous faites vieux ignorer si ça comme ça. C'est quel comportement, ça, là? Mais 50 millions, c'est l'argent. 50 millions, c'est l'argent. C'est pas 50 millions, 150 millions. 150 millions, c'est l'argent, c'est pas l'argent. 150 mètres carrés, encore dit. Jesse, qu'est-ce que tu en penses de ça? La villa de j'en pense que c'est du bavelotage. Mon cher Varus, pas de mélanger ton panel, pardon, ils sont au travail. Pardon. Edige. Yeri Edige. Oui. On est resté sur Facebook ici, TikTok ici, il y a quelqu'un qui a payé maison 150 millions à Abidjan. Qu'est-ce que tu en penses de ça? Aïe! Qu'est-ce qu'il pense de ça? Ah, l'unique. J'ai payé tiré 15 millions. Tu as appris? Donc, faut laisser ça. Elle peut payer maison 105 millions. Non, maison 105 millions, c'est rien. C'est rien même. Je paye bien des siècles. Donc, ici, là, la famille. Et ne détournez pas le sujet. Emmanuel qui t'a payé sa maison, ça c'est un truc. Bref, il y a 15 millions, non? Oui. Non, on a compris. Quand elle a dit, on a parlé. On n'a pas parlé. Aïe. Tu as posé, mais tu as payé 15 millions. Tu dis ça, j'ai dit. Tu as commencé quoi de ce signe? Il y a un fashion d'Emmanuel. Tu as oublié. Tu as payé 15 millions. Tu as allé mettre le fashion de manioc dedans. Quand tu es dit tu laisses ton village pour aller payer qu'elle serait à Jacques-Ville. C'est l'histoire de foutre de nous, hein. Non, c'est pas possible, Agni. Les gens ont déjà attrapé. C'est pas possible, mais Agni ne peut pas ça. Agni va lever son argent pour aller jeter à Jacques-Ville. Tenu, là, tu nous avais promis. Parlons de notre sujet. Bonjour tout le monde, je suis là pour... Jaguar, André, c'est chez toi, il y a bruit, hein. Jaguar, André, elle est au bord de l'eau, hein. Oui, vas-y. Flora, Nana. Salut. Hey, Ramos, vas-y, Ramos.
Yes, salut l'unique. Moi, je voulais juste intervenir pour un truc vite fait. Par rapport au terrain, là. Parce que l'unique, moi, je... Aïe, c'est qui a dit? C'est Séni. C'est le sujet d'observatoire de Tripa. Vous voulez renverser ce sujet-là. Tu as vu que j'ai essayé. Moi, je suis tombée sur le... Elle parle de haut. Non, en fait, je suis tombée une seconde, non, par rapport à ce que Edwige disait. Yeli, Ramos, allons-y. On peut jeter quoi de quelqu'un comme ça? On peut jeter quoi? Bon, non, mais c'est pas de Séni, on parle quand même. Nous, en tout cas, après ça. On s'attache, oh, l'unique. Ça saute tout. Ok. L'unique, en tout cas, désolé pour tout à l'heure. J'étais juste pour borotiser le live, quoi. T'as pas non, t'as pas venu borotiser le live. C'est ta gamme même qui est comme ça. Non, il y a un match de mort propre qu'ils ont. Écoute-moi te parler. Je pense que sur le panel, personne d'entre nous a informé quelqu'un en prison. Je voulais juste faire passer un message, c'est tout. Moi, je voulais dire que cette histoire-là, observateur, nous tous qui sommes ici, là, on a banalisé au fait. Ça veut dire quoi? On se disait un vrai. Peut-être qu'on prend le mogo, ils vont donner un conseil et puis ils vont le laisser partir. Lui-même, là, je pense qu'il s'attendait à un moment comme ça. Mais comme il y a une loi qui est sortie pour mettre des gens en prison, ceux qui parlent mal, donc et peut-être ils voulaient faire passer un message, mais à travers un grand quoi. Donc, s'ils avaient laissé le mouvement comme ça, les gens allaient dire, ah, les lois qui ne marchent jamais. Ramos, ne coupe pas ta parole. J'ai dit, viens, ne coupe pas ta parole. Nous, on était à Pidja. Ils ont tchèque à notre frère sans as diesel. On nous a fait asseoir sur tabouret, nous tous. C'est que la nuit, mis 3 jours. Et puis, on nous a fait asseoir sur tabouret, nous tous, comme ça. Et puis, on nous a dit, hey, vous là, si vous n'arrêtez pas un jus que vous faites sur Internet, là, si vous pensez que si vous êtes sur Facebook et que la vie vous appartient là, ou même le pays vous appartient là, faites ce que vous êtes en train de faire là. C'est-à-dire que tu ne donnes même pas ton nom, puis on te dit non, tu t'appelles tant. Et le gars, en tout cas, le commissaire était clair. Il a dit vous là, votre bon là. Quand votre dossier vient ici là, c'est-à-dire que même nous-mêmes, on n'a pas la main dessus. Voilà pourquoi. Voilà pourquoi il dit l'unique. On a fait 3 jours à Kumasi. À cause de... Tellement, on se disait c'est un petit truc. Les gens ont parlé, ça a fini. Mais à la lue où ça partait. Pour une histoire d'un jus, hein, mais ça arrivait à un niveau où moi-même je me suis dit, attends. On est dans quoi ici? C'est-à-dire que plus les joueurs avancent, plus tu vois qu'ils vont déférer ton gars. Plus les jours avant, tu vois qu'ils vont déférer ton gars. Tu, au début, tu mets ça dans l'amusement, mais après, c'est le commissaire qui a dit que c'est pas il vous connaît. Il dit, il vous connaît. Sinon, votre affaire, là, c'est pas. Nous-mêmes, on ne peut pas gérer ça. Que arrêtez ce qu'on fait sur Internet. Vous pouvez parler, vous pouvez conseiller, vous pouvez, en tout cas, interpeller, en tout cas, parler des faits de société, vous pouvez parler de beaucoup de choses. Mais insulter les gens, manquer de respect aux gens, ou bien faire comme si non, quand vous arrivez au pays, rien ne peut vous arriver, tout peut vous arriver. Ah, mais quand tu demandes aussi comment tu peux faire pour anticiper, voilà, on te dit non, que non, c'est comme ça. Est-ce que vous comprenez? Donc, du coup, là, c'est quelque chose que moi, je suis au courant de ça. Donc, c'est pour ça qu'il y a quelque chose là. Moi, je sors déjà pour demander pardon. Est-ce que tu comprends? Vas-y. Disais, comme c'est ce qu'il a dit, là. Il dit, ah, cette histoire, quand ça a commencé là, je te jure, on parlait, chacun parlait, on se disait, nous tous, personne ne peut dire si quel observateur allait faire prison. Nous tous, on a négligé le mouvement, ça veut dire quoi? Lui-même, peut-être, l'a négligé. Raison pour laquelle sa dernière vidéo. Il a négligé, il n'a pas. Il s'est dit que voilà, c'est. Voilà, sa dernière vidéo, qu'elle est sortie et puis il l'a mis à la comédie, comme la dame qui a dit ici. S'il savait que ça allait arriver dans Maka, là, il pense que le Moro allait faire une vidéo aussi. Lui-même, il a négligé, hein. Il a fait une vidéo, il était dans la piscine. Et si c'est Apoutou, pardonne-moi, si c'est lui, l'agent d'amusement, quoi. Il pensait. Moi, il ne pense pas que le Moro, il peut imaginer que ça allait arriver là. C'est un Maka tapé. Mais comme j'ai dit, peut-être c'est un message que le Moro veut faire passer à tout le monde. Que lui, il a pris balle perdue dans cette histoire-là. Tu comprends? Mais lui, il te dit que. De façon même là, de la manière que ça se passe, mais tu négliges ça toujours. Au premier jour, tu te dis non, c'est rien, vous allez gérer. Voilà. Non. Mon frère, lui, ce que tu viens de dire dessus, là, voilà, je suis d'accord avec toi. Parce que le même constat, il est fait à la police. Ouais, terminé, le fait que quelqu'un a dit. Ok, ben, vas-y. Mais là, l'unique, c'est qu'on ne comprend pas, c'est que parfois, les gens s'insultent ici. Tu es vilain, un petit chien bâtard. Les gens, c'est pas ça. Hein. Mais l'unique, tu sais, il y a une parole, il y a certains gens d'injures, là, diffamation, là. Peut-être si quelqu'un, là. Souvent, on néglige, mais ça peut rester sur une personne à vie. Regardez comme ça, l'histoire. Je me rappelle l'histoire d'Arafat. Un moment, je ne sais pas quel go qui avait dit qu'Arafat était kikinette. Et tiens, non, parole, là, n'a pas plu Arafat jusqu'à sa mort. Au fait, le mort même, il voulait tellement se justifier, tellement. Juste quand il partait en piscine, il portait kilote pour monter aux gens que lui n'est pas. C'est ça qu'il y a certaines paroles, là, qu'on dépose sur toi, là.
Jean pour dire il a couché, peut-être quelqu'un peut dire il a couché avec toi. Et puis le belge est mort. Mais dans la tête des gens, jusqu'à ta mort, ils vont dire que mort lui a ta mourou. Tu sais que parfois, l'injure, imbécile chien bâtard là, parfois même ça passe. Hein. Mais coller étiquette sur toi, l'unité, toi, tu as assis ici là, quelqu'un vient te coller qui échoue là. Ah, champion. Ça va te laisser hein, toute ta vie. Donc c'est ça, mais l'air doit faire attention à ça quoi. Il y a un mort qui prend un plaisir pour venir s'asseoir pour dire, ah, t'es goût là, moi, mourou, ça c'est un bok. Hé, lui, comment jouer les trucs quoi là. Toi, tu peux voir ça, genre, ça fait rien. Mais la personne là, peut pas oublier toute sa vie. Et puis les gens vont prendre ça pour l'attacher. Toi-même, tu te joues être dangereux. Si moi, t'as pas mourir ici. Oh, le mot a menti, hein. Mais où tu passes là, moi, toi, t'es joué être dangereux. Y'a gauche, c'est la même. Mon frère, ça a mourir ça. Oh, ton frère, ça a même menti. Mais ça colle, c'est collé sur la fille toute sa vie. Elle va essayer de se justifier. Ça, au moro, maintenant, de venir sortir pour dire. Ah, tapotez le live, s'il vous plaît. Tapotez le live. Ah, le moro, maintenant, de sortir maintenant pour faire une vidéo qui est. C'est pas une vidéo d'amusement, hein. Pour dire aux gens, ah, je me suis trompé, hein. C'était juste pour bolotiser, mais voilà. Si, je pense que si Observateur avait fait une vidéo aussi comme ça, costaud même, sérieux, pas amusement, hein, pour dire, ah, c'est qu'elle dit à Gaulle, moi, il n'y a pas moyen ça, de... c'est amusement. Si. Je pense que ça allait calmer les choses un peu, tu vois, non? C'est vrai, tu as parfaitement raison. C'est pas amusement. Parce que si c'était passé comme ça, là, si les panels, les gens allaient prendre pour s'amuser, ça, hein, là, Observateur à Mungo, là. Là, Mungo, là, Mungo, là. Là, Mungo, là, je disais, dangereux, même, Mungo, là, Mungo, là. Et puis ça va être collé sur Go là quoi, tu vois, non? Donc c'est pas tout et tu comprends pour faire comédie. Quand tu sais que c'est grave, ça colle sur la personne toute sa vie là. C'est propre. Ah vraiment, désolé tout le monde, je m'amusais, la Go a pris ça au sérieux. Maman, pardon. Moi, je sais qu'il y a un toi et moi, tu sais qu'il n'y a rien qui s'est passé, non? C'est juste amusement. Là, ça a quitté la tête des gens. Mais si ça restait comme ça là, non, la Go là, elle prend balle perdue. Chaque fois, les gens allaient l'indécer. Ils avaient dit que moi, l'amour, ça. Et on fait pas attention à les propos quoi. Hein. Ouais. Sérieux. C'est très grave. Mais moi, je dis que c'est pour ça que j'ai dit depuis ma mort, moi, je suis contre les propos d'observateurs. Je suis contre ça. Mais, quelque part aussi, là, la justice n'a pas tort. La justice, là, eux, ils sont dans leur coin. Les juges sont dans leur coin. C'est quand le dossier vient les trouver qu'ils traitent le dossier. Eux, les gars, ils traitent le dossier au nom de la loi. C'est pour ça, avant de passer à la justice, là, il y a beaucoup d'étapes à franchir avant d'arriver à la justice. Quand toi-même, tu sens que l'affaire, ça va loin, tu peux bloquer l'affaire. Tu peux bloquer. Tu peux dire non, que voilà, c'est bon et tout, et qu'on sort. C'est pour ça que les juges, là, viennent en dernière position. L'unique, pardon. Elvige, ouvre ton micro, pardon. Je t'écoute. Elvige, tu avais dit qu'il y avait deuxième personne, non? Deuxième personne dans quoi? Où tu dis le lendemain, il a pris un an de prison ferme. Oui. Yannick. Mais Yannick, elle a fait quoi? Comment je donne une prise de TikTok? Ah, c'est de lui là que tu parles. Hey, Yannick là. Le problème de Yannick là, tu sais, pour finir même là, ça s'est retrouvé dans ma main. Moi-même, j'ai appelé la fille. La fille là, je la connais très bien. Je l'ai appelé pour lui demander pardon. Le jour de Ramadan, là, c'est moi qui ai envoyé manger à Yannick à la préfecture de police. Je suis parti là-bas deux fois. Il a été déféré un an de prison ferme. Il a fait quoi? Il a insulté une fille sur TikTok. Et la fille est partie porter plainte. Pour finir, la fille devait retirer sa plainte. On lui a demandé pardon. La fille, même quand il appelle net, là, elle rentre dans toutes ses danses. Je me mets en genoux, il dit pardon à la fille, tout jusqu'à pour finir là. Yannick est parti en prison. Alors, ils ont cotisé 400 000 pour lui donner. Elle a retiré sa plainte, mais c'était au dernier moment, il a été déféré. Mais quand c'est au dernier moment, c'est fini. Hein. La plainte qu'elle a là, quand c'est. Où tu. Hey, Jaguar, pardon, fermez ton micro. L'unique, il va gâter le live, les gens vont descendre. Je sais pas, il veut gâter. Il est assez bruit, c'est oublié de monter sur le live. Il a la plage en plus. Faut nager. Est-ce que tu comprends? C'est la police, quoi? Là. Il y a une question pour toi. Le problème. Mais moi, il me dit... Oui, allô? Quand tu veux être une méga star aussi, là, il y a des choses, il faut taper dessus, hein? Céline, il y a une question pour toi. Je pense que toi... Bon, vous êtes blogueur, vous avez l'habitude de se voir les coups comme ça, les injures. Tu sais, les injures des imbéciles bâtards à Mercon, là. Quand tu dis à quelqu'un au Dieu en Côte d'Ivoire, là, les gens même pas pour rigoler. Mais c'est, imagine-toi que toi, tu dis à quelqu'un, ou à quelqu'un te dit, que toi, là, il le connaît, c'était un ancien braqueur. Il a même braqué une dame qui était dans mon quartier. Oh, il a été menti, hein? Yeli, c'est lui, pardon, excuse-moi, Ramos. Comment on fait pour fermer les commentaires là pour qu'ils puissent tapoter? Bon.
Faut demander à Elvis. C'est elle qui est secrétaire de la personne qui a créé TikTok. Tu comprends un peu de quoi, pas non? Tu comprends? Mais il va te répondre à dire ça moi-même. Pas de paramètres. C'est comme Kseni, aujourd'hui toi t'es connu, et moi il vient et dit, mais c'est ni que vous parlez de lui là. Vous savez que c'est un braqueur, non? Moi je connais Abobo. Tu vas désactiver les commentaires. Il a même braqué quelqu'un même que je connaissais bien. C'était comme ça. Il a dit, femme, c'est toi, n'est-ce pas? Mais Kseni, tu vas pas digérer ça là, puisque imbécile bata ta mère qu'on a. Jamais de la vie. Parce que non, mais. Tu sais qu'il y a quelqu'un qui a fait publication sur moi pour dire que c'est moi qui me donne ma chaîne pour qu'il partage ça aux gens Abobo ici. La publication, j'ai fait la capture. J'ai même tracé quand il a retrouvé la personne moi-même. Les gens m'ont demandé d'aller porter plainte. J'ai dit non, si les autorités viennent me chercher, là, ils portent plainte. Parce que ce qu'ils ne me voient pas dedans. La vérité est, moi, je ne vais jamais porter plainte contre. Moi, ils ont porté plainte contre moi en vol de voiture. Et ils n'ont pas porté plainte. À faire l'arrivée où ça devait arriver, vol de voiture. Moi, j'ai volé voiture. Oh, il était obligé, puis on m'a appelé pour dire la voiture qui est dans ta main, là, c'est pour toi. Il dit il n'est pas de voiture, j'ai moto. Et la voiture qui est dans ta main, il dit c'est garé dans parking sécurisé. Je suis parti me justifier, il avait raison. Il pouvait porter plainte que l'émission le maître. Il dit, moi, je ne salis pas ma main. Tu comprends? Je ne salis pas ma main. Mais tu sais, c'est ce que tu as dit aussi là. Au fait, femme là, femme est très fragile. Hein. Femme, tu as collé. Nous sommes sur les réseaux sociaux. Hein. Nous sommes sur les réseaux sociaux. Tu as essayé de salir une fille sur les réseaux sociaux. Après, il y a marié. De toi à moi, qui va accepter que ta femme que tu as parti marier là? Et puis tu sais que c'est une grand-mère mouguée, elle, toi, tu vas la prendre. Toi aussi. Non, pourquoi ça veut dire quoi? Non, si c'est ton ex, il n'y a pas de problème. Tu sais, pourquoi? Champion, qu'est-ce qui va m'empêcher? Écoute, il y a des propos là, il faut laisser ça. Il y a des propos là. Amougou est elle. Mais ça, c'est le passé. Non, exemple, si la personne dit que dans le quartier là, on faisait, les gens faisaient tchep. Tchep, elle a go, c'est une go, quoi. Il y a des informations. Si tu t'amuses, on fait ça. Il y a des choses, tu ne dois pas dire sur femme. Tu vas même ce que tu as fait là. Tu vas faire que les gens vont faire ça. Ils vont dire c'est une grave. Écoute, laissez affaire de ce son passé là. Ça, c'est Mousso qui traîne au quartier. Quelqu'un qui a une corde de popularité. Quelqu'un qui a Mousso en popularité là. Faut laisser. Tu vois ce que les gens font. Si Mousso est une pute, c'est comme ça. C'est quand tu es sorti ici. Tu as Mousso, elle t'arrête là. Mais tu rajoutes ton corde pour dégrader mon image. Tu as envie de te marier une fois. Une fois clé. En tout cas, Mousso, ça se marie. Il y a quelqu'un qui a dit que. Et que mon front, il est poil, ça sent, il est écarté. Quel homme qui veut que ta carte colle sur lui? Quel homme? Surtout, on dit sa femme. Ah, c'est ça. Le live a été. Quelle chose on ne dit pas? Non, le live est bon. Ne t'inquiète pas. Quelle chose on ne dit pas, au fait? Quelle chose on ne dit pas? Le live est très bon. Le live est bon, quoi. Ça ne veut pas dire qu'il n'est pas. Hein. Non, il n'y a pas de quelqu'un, vous n'avez pas lu le message. Il y a dit quelqu'un. Voilà, il y a dit quelqu'un. Il n'y a pas du nom de quelqu'un. Vous n'avez pas lu le message. Le live n'est pas allé quand c'est parti, il ne crée pas. C'est un problème qui est passé depuis longtemps. C'est plus d'actualité. On a déjà fait des ça. Mais c'est un exemple qui est passé mal. Non. C'est différent. C'est différent. En ce temps, toi aussi, tu es dans le même game. Donc, quand tu es dans le même game, il faut t'attendre à tous les balles qui vont venir. Non, il faut t'attendre à tous les balles qui vont venir. Il n'est pas allé courage. Parce que quand tu es en position, tu n'as pas accepté qu'on t'appelle terroriste. L'autre va t'appeler terroriste. Oui, mais c'est parce que j'étais dans le game que j'ai réagi. Ils vont sauter. Si je n'étais pas dans le game là. Excusez pour le mot. Mais quelqu'un d'autre allait s'occuper de ça. Donc, parce que quelqu'un dans le game n'a qu'à accepter qu'on tienne tout propos sur lui. Donc, si dans le game, on doit tenir nos propos. Je n'ai pas dit, écoute, il faut te calmer là-bas. Tu as qu'un problème. Non. Oui. Il faut te calmer. Je suis calme. Aïe, il y a quoi? Tu ne peux pas m'envoyer par le bien. Je suis couché ici. Et puis tu dis, Seni, tu as gros nez. C'est le défaut que tu as vu sur moi, tu as pris m'insulter. Tu comprends, non? Moi, si je peux dire quelque chose sur toi, toi, ça ne va pas te plaire. Mais pourtant, pas ça te fait mal. Parce que c'est toi qui as provoqué. Tu comprends? Maintenant, même si c'est moi je provoque, tu n'es pas obligé de répondre. C'est comme ça le monde est. C'est différent de pour ceux-là. Parce que lui, là, la fille n'a jamais fait quelque chose de mauvais à quelqu'un sur les réseaux sociaux qu'on voit. C'est différent. Donc, quand tu quittes automatiquement, quand tu quittes dans le game, tu es dans ton coin. Je n'ai jamais eu problème avec Seni. Seni n'a jamais eu problème avec moi. Ce qui s'est passé, c'est le passé. C'est différent. C'est à quoi ils sont dit toujours. Si tu sais que tu es femme mariée, il ne faut pas venir clasher. Mais si tu viens venir clasher, que tu oublies que tu es mariée, tu oublies que tu as les enfants, tout balle sera. En tout cas, tu dois encaisser tout. Tu veux un peu, non? Mais c'est. Tu vois. Après, diffamation, il faut être dur comment. Moi, j'ai vu que diffamation, ça fait mal, là. C'est le jour Arafat s'est justifié, jusqu'elle allait à la piscine montrer sa culotte, où elle est dans la piscine devant la nation pour montrer qu'ils ont menti sur mon rôle. Parce qu'ils ont dit qu'il a pris Guigui, c'est ça? Ils ont dit qu'il n'a pas digéré. Là, il est parti même dans la piscine le jour-là. Il allait même. Ceux qui disent qu'il est là, voilà, ça ici.
Moi, là, c'est justifié. Hein. Rafat, oh, Rafat a caissé toutes sortes d'injures, hein. Mais ça, la semaine, n'a pas digéré. Fais ça, jusqu'à sa mort. Non, si on te dit, si on te dit, moi, le plus. Ouais, non, parce que Saint Benoît a dit qu'il a cornichon. Hein. Ah, toi aussi, ça fait pas mal. Mais c'est entre eux. Ça, c'est rien si c'est Arafat qui a si Fachakou les gens, c'est que vraiment. Non, mais. Bah, sinon, vous savez, aujourd'hui, là, les autorités cherchent. Nous, les blogueurs, là, on va servir exemple à la jeunesse, à la population. On nous prend qui. Dès qu'on a nos problèmes d'être. C'est ça que tu es fait, non? On te prend, comme tu es public, hein, on sait pourquoi on t'a pris. Tu vas voir que ça va commencer à diminuer. Ça va commencer à diminuer. Moi, là, histoire de. C'est pas quoi, moi. Yéri, si mon mec gagne pour faire culolo, il fait culolo. Non, moi, bientôt. Non, hé, hey, mon frère, mais bientôt, il s'est réparé. Je suis en train d'écouter mon habit de pasteur. Moi aussi, qui ai fait la vie, puis pour les gens. Je suis plus à bout dans quelque chose. Je suis plus dans quelque chose. C'est qui ce qui veut me créer problème, mais c'est pas les dents. Les jeunes, les gens t'appellent Céline. Tu viens de dire que tu n'as pas de créer problème. Faut faire qu'à moi. Tu ne veux pas me créer problème, non. Tu ne veux pas. Le pays regarde, ça me crée problème. Ça, ils vont interdire porno. Mais est-ce que tu vas regarder l'observateur? Ça, ils vont interdire porno, payer à les chaînes porno en Côte d'Ivoire. Non, non, non. C'est interdit. On paye. C'est dans le privé. Alors, voilà. C'est pas public, c'est pas gratuit. Ceux qui vont arrêter Mapuka. Attends, on laisse Mapuka d'abord. Attends, Lune, il faut demander Miss Côte d'Ivoire. Ils vont arrêter Kutata, ils vont arrêter Miss. Miss, là, que les gosses se promènent. Ils vont arrêter Kutata. Les filles, là, vont arrêter. Pardon, faut faire, pardon. Personne n'a été demandé. Lui, t'as pas fait ensemble. Moi-même, la même place, je sèche mon cul, Louloya. Eh, vite, c'est une femme, non, n'est-ce pas? Tu te dis qu'à la RTI, télé nationale, on monte Miss à 18h où les femmes sont en caleçon pour se promener. Ça, c'est normal. On te pose question, faut répondre, Edwige. Et puis les enfants n'ont pas à 18h. On dit Miss commence à 17h30. On dit Miss a commencé. Ça sort sur la télé nationale. Et puis les femmes sont en caleçon. Elles défilent. On regarde ce qu'il y a bon bocheur pour noter, pour qu'elles prennent trophée. Et puis les enfants. Mais rempli de Ubi, ça va pas quelque part. C'est quoi? Les enfants sont calés. Elle est vieux. Je sens des Miss. Attends, t'as eu non? Quelqu'un a mis en bas que Miss c'est une histoire. Donc, c'est pas même. C'est pas une institution, c'est pas histoire. À la télé même là. À la télé, mais Ubi passe. Aïe. Ça elle dit que Miss Institution, écoute-moi. Oui. Est-ce qu'une fille qui a porté caleçon dans culolo de là, avec une fille qui a porté caleçon dans Miss, c'est pas même caleçon là, c'est pas même cul que dehors là. C'est une cramba ou pas. C'est pas bon. Si c'est pas bon, faut dire c'est pas bon, tu t'arrêtes là. Si c'est bon, faut dire c'est bon, on continue. D'accord. Mais venir faire des comparaisons qui n'ont pas de sens, moi je suis pas d'accord avec ça. Mais est-ce que c'est une comparaison qui n'a pas de sens? Non. Si c'est une comparaison qui n'a pas de sens. La dépravation. Ne faites pas comme si on ne pouvait pas la déclaration de notre quotidien. On ne juge simplement pas sur leur physique. Leur physique rajoute la compétence, non, l'intellect. Il y a beaucoup de choses. Attends, je pourrais être une malade. Je ne suis pas d'accord parce que. Pourquoi je suis malade de faire seulement que vous voulez juger? On ne dénonce pas la dépravation, mais pourquoi c'est Nicapol en GG? Mais il y a même dépravation dans le pays là. La dépravation, ce n'est pas forcément aller danser ma poca s'il lève des reins. Parce que parler de ça, c'est faire la promotion de ça. Non, vraiment, moi, ça ne m'intéresse pas, je ne veux plus en parler, au fait. Non, moi, ça ne m'intéresse pas, je n'ai pas envie d'en parler. Moi, je n'ai pas envie de parler de quelque chose qui ne m'intéresse pas. J'ai dénoncé, j'ai fini, et passe à autre chose. Bah, et si je continue de parler de ça, les gens vont mal percevoir mon message. Ils vont penser que je suis en train de faire. Comment on appelle ça? Je suis en train d'agresser le petit ou bien je suis en train de harceler le petit. D'accord? Il y a des erreurs que j'ai fait avant, je n'ai pas envie de répéter. Qui est petit là? Attends, qui est petit là? Nicapol, c'est un enfant, il a pas. Moi, je m'en fous de ça, donc ça ne m'intéresse pas, il n'est pas sur mon chemin. Il n'est pas que c'est l'unique qui a appelé. Il n'est pas que c'est l'unique qui a appelé. Et moi, je n'ai pas envie de ça, voilà. C'est ni. Non, elle n'est pas jalouse, arrêtez quand même. L'unique, on dit à deux qui au dehors. Elle a le droit de dire qu'elle n'est pas d'accord avec ça. L'unique, on dit à deux qui au dehors. Il y a un qui sort à la télé qui est mis, il y a l'autre qui sort sur TikTok. On dit pour TikTok, elle n'est pas bon, mais c'est pour télé qui est bon. Non, mais moi, ici, là, moi, je comprends une chose avec les Ivoiriens. On n'a pas de problème. Et tout ce que les gens disent dans leur quotidien, oh, à la Côte d'Ivoire, c'est faux. Tout est faux. On n'a pas de problème. Hein? Pour que moi, je laisse moi-même. C'est que les gens sont en train de parler de ce que vivent les Ivoiriens. Ou bien, voilà, c'est nous aujourd'hui qui se promène dans des hôpitaux en train de chercher des moyens pour que les gens puissent aider et tout et consommer. Parce que aujourd'hui, là, même prendre un malade en charge en Côte d'Ivoire, c'est tout un tas de problèmes. Les choses qui doivent être de façon. L'unique, là, je t'ai rien dit. L'unique avant-hier là. Il est avant des faits de société. Avant-hier là. Quand lui-même fait une vidéo là, il y a combien de personnes? Avant-hier là.
Il n'y a même pas quelqu'un même. Ah. Avant-hier là, j'étais couché à la maison aussi, il y a quelque chose qui est arrivé à l'hôpital Fouboigny. Il a été dit le nom même. C'est moi, hein, c'est pas lui qui a dit, hein, c'est moi. Donc si vous voulez créer problème à quelqu'un, c'est moi. À l'hôpital Fouboigny. Parce qu'une fois, j'avais fait vidéo pour un jeune que son enfant était hospitalisé sous oxygène, dont la facture faisait 300 quelques, et puis Lionel PCS a payé. Donc, c'est comme ça que là-bas, dans la clinique, là, les gens m'ont connu en vrai. Maintenant, il y a une femme malienne qui m'a appelé. Elle me dit d'aller vérifier dans la clinique, là, s'il y a les enfants encore là-bas, elle va payer pour tous les enfants. Et puis, elle a payé pour tous les enfants. Avant, je me suis couché à la maison aussi. Comment hôpital général, hôpital de l'État, hein, l'État même n'est pas au courant. Il a failli mourir, l'unique qui te le jure. Un nouveau-né vient de naître. C'est, non, non. Un nouveau-né vient de naître. Nouveau-né là. Ça faisait 2 jours. Nouveau-né là n'arrive pas à respirer. C'est parce que c'est pas, ses parents n'ont pas l'argent pour le mettre sous oxygène. Hein? On veut les libérer. Tu comprends, non? La dame n'a seulement que 35 000. On veut libérer le nouveau-né là. Maintenant, comment il est su? La femme est partie voir l'autre clinique là pour leur demander pardon. Et la dame qui est dans la clinique a dit, ah, la personne qui sauve souvent les enfants ici là, c'est lui qui est Céline Kramata. Elle a envoyé Muriel appeler. Il a dit, j'ai appelé la dame là. Effectivement, l'hôpital les a libérés. Je crois bien que l'enfant est décédé. Je crois bien. Oui? Non, non. Tu dois être décoré dans le pays là, sérieux. Je te jure que j'ai mal. Il y a tout élément, j'ai fait l'ouverture de mon magasin. Je te le jure, je crois bien. Il dit, je crois bien. Parce qu'on ne sait pas si quelqu'un peut le sauver. Est-ce que tu as eu le temps? Il y a des choses là. Bonsoir tout le monde. Bonsoir madame. Bonsoir madame. Bonsoir. En fait, moi je ne suis pas d'accord qu'il y ait des gens qui viennent dire que. Ouais, Nicapol, dépravation des mœurs. En fait, dans son live, est-ce qu'il a obligé les gens à aller là-bas? Pour parler d'abord de Nicapol, il a obligé qui? Quelqu'un, il fait live et puis il y a des gens qui montent et puis ils allument leur caméra. Il n'a pas obligé quelqu'un. Elle-même ne se respecte pas, c'est lui qui doit les respecter. Ma soeur, j'ai vu ton commentaire, tu as dit quelque chose en commentaire, tu as dit Miss avec pour Nicapol, c'est pas pareil. Pourquoi tu as dit ça? Moi, c'est pas pareil. Hein, Miss, c'est une institution, c'est un concours c'est de beauté. Mon frère, moi, je ne suis pas monté pour parler pour ne pas dire quelque chose. Mais il ne faut pas imposer tes règles. Non, ce n'est pas nudité. Je n'ai pas imposé, mais toi, tu viens, mais là, tu m'attends. Je dis quelque chose, tu m'attends. Non, ça va, ce n'est pas nudité des femmes qui ont dit. Tu as posé question, tu poses question aussi. Ah, mais moi, c'est nudité des femmes qui ont dit. C'est nudité des femmes qui ont dit, en fait. C'est nudité des femmes qui ont dit. C'est pour toi. Est-ce que je peux répondre, s'il vous plaît? Monsieur Ramon, si pour vous, je ne vais pas vous tutoyer, je ne connais pas. Si pour vous. Puis Lolo et puis Miss, c'est la même chose. Je ne peux pas vous enlever ça de l'esprit. Je veux savoir, est-ce que Miss n'est pas nudité de la femme qui est au dehors? C'est ça, je dis, monsieur. Je dis, je ne peux pas vous enlever ça de l'esprit. Je ne sais pas mon Dieu, on est pour toi-même. Ma chérie, tu aimes Miss Côte d'Ivoire, qu'on fait Miss, tu aimes ça. Tu n'aimes pas que Lolo, c'est ton avis. Après, moi, c'est pas, ça dépend du pays en question. Sinon, là, les concours de toi, c'est reconnu, c'est organisé dans certains pays. C'est tout, ça dépend de nos mœurs. Donc, on dépend des dépravations, là, c'est en fonction de nos mœurs. Sinon, les gens font beaucoup de toiques, ils ont des trophées. On dit à deux. Ma chérie, on dit à deux. Attends, ma chérie, on dit à deux cuillères. Est-ce que je peux m'exprimer? Attends, ma chérie, on dit à deux cuillères. T'as dit l'autre cuillère n'est pas, c'est pas bien, mais l'autre cuillère, c'est abordable. On peut accepter ça, c'est ça? On ferait que je m'exprime, c'est possible. Non, moi, elle savoir. Elle a défendu le concept du petit, hein. André, que vous ne le comprenez pas. En fait, je viens de dire que je n'ai pas de problème avec son concept. Qu'est-ce que tu ne comprends pas? Non, mais Miss là, tu trouves que ça c'est autre chose. J'ai dit là-bas, c'est une institution parce que c'est réglementé, c'est reconnu dans le monde entier. Ah oui, mais en fait, je comprends pas. Qu'est-ce qu'il fait au moment? La déclaration de mœurs là, les enfants regardent Miss. Mon frère, c'est toi qui définis ta déclaration de mœurs en fait. On ne va pas faire un débat, toi et moi. J'ai dit que c'est pourquoi tu es d'accord là. Reste d'accord avec ça en fait. Tu me coupes la parole sur ça. Je n'ai pas dit qu'est-ce qu'il fait, mon frère. Vous acharnez sur moi aussi, je ne peux pas parler. Vous me dites, je descends en fait. Attendez là, tu vas parler. Ah, je ne comprends pas en fait. Je ne peux pas, tu peux pas m'imposer ce que tu penses, tu ne peux pas poser ce que tu penses. Mais je m'en tiens pas. Attendez, Ramos, calmez-vous. Non, moi, elle finit. Laissez la fille parler. Niki, Niki, alors te coupe. Il y a Dio, Madame Niki. Madame Niki, développe tranquillement. Mais je vais développer depuis un peu, je ne comprends pas. Ok, développe. Et puis, il faut parler petit français. Laissez-moi parler. Je ne sais pas comment je vais parler. Je vais essayer de faire comme je peux. En fait, je suis en train de dire. Mais quoi, alors, si tu nous dis fermez vos micros là, je vais te bloquer en commentaire si ça t'est dépassé. Ok, Niki, en tout cas, développe ce pourquoi tu es monté là. Explique-nous un peu, on va comprendre, s'il te plaît. Voilà, je suis, en fait, moi, d'abord, je vous ai regardé depuis tout à l'heure, vous parlez d'abord de,
observateur, voilà, et après vous avez parlé de Nika Paul. Moi, je dis personnellement, ce que Nika Paul fait, ceux qui montent dans son life là, c'est elles qui sont responsables de leur choix. Parce qu'en fait, lui, il a créé un concept. Quand tu crées un concept, où ça prend ou ça prend pas. Il n'a pas obligé quelqu'un à monter. Il n'a pas... Parce que j'ai l'impression qu'on utilise les mots, on utilise des thèmes juridiques parce qu'on veut. La dépravation des mœurs, Nika Paul n'a pas ouvert un carrefour où il a payé des gens pour venir. Lui, il fait son life. Il a mis son concept. Et puis, il y a des filles qui ne se respectent pas elles-mêmes ou bien qui se sentent stars. Parce qu'après aussi, je n'ai pas envie de les insulter. Peut-être qu'elles trouvent que c'est normal. Peut-être qu'elles sont stars. Peut-être qu'elles voient que c'est comme ça. Elles vont faire. Peut-être même que d'autres vont trouver leur mari dedans. Par exemple, tout mari partout. Elles montent dans le live et puis elles font leur show. Lui, là, quoi, ils voient. Vous pensez que s'il fait deux lives où les filles ne montent pas, qui va regarder live? La personne. Moi, je ne vois pas pourquoi on s'attend sur Nika Paul. Il a créé un concept où ça marche, ça ne marche pas. Si moi, il décide de faire un live où. Mais dans le live, à quel moment quelqu'un s'est attaqué à Nika Paul? Non! Je suis en train de répondre de manière générale sur les petits qui disent qu'ils sont pas qui ne sont pas d'accord, qui font une dépravation des mœurs. Je dis que par rapport à Nika Paul, moi, je ne vois pas de dépravation. Qui a dit ça? Qui a parlé de dépravation des mœurs? Non, avant, je ne maîtrise pas le nom de chacun, mais exemple, quand Ramos dit que... Forcément, il y a quelqu'un, tu vois, il y a Edwige. C'est ce que j'ai dit, exemple, je vais prendre un exemple. Edwige, on a essayé de parler, Edwige a dit que franchement, elle ne veut pas parler dans ce sujet parce qu'elle a déjà parlé une fois. De mentalité, ce n'est pas, même pas prononcé dessus. C'est Nick Kramba, on était de parler des histoires de docteurs et tout et consorts. Ramos, lui, valide même le fait que c'est là, au fait. C'est ce que j'ai dit, je prends un exemple. On a parlé des dépravations des mœurs. Bon, moi, j'étais en bas. Il y a quelqu'un qui a, par exemple, Ramos, exemple, il dit que quand les filles sont à la télévision, quand les filles font Miss, on dit pas qu'il y a des dépravations des mœurs. Et quand, on appelle ça comment? Quand Nika Paul fait, on dit qu'il y a des dépravations des mœurs. Le mot dépravation des mœurs est sorti. Donc, je rétorque sur ça, en fait. Moi, je suis pas venu attaquer quelque chose. Je suis venu simplement demander mon avis. Après, si je peux donner mon avis sur Observateur, sauf si vous avez évolué dans le live. Mais depuis là, je regarde le live. Sauf si vous avez évolué, vous n'êtes plus à ce niveau, je peux descendre s'il n'y a pas de souci. Non, tu peux demander, tu peux donner ton avis sur Observateur. Voilà. Sur Observateur, moi, je suis pleinement d'accord. Tout à l'heure, vous étiez là en vidéo et puis vous avez dit quelque chose. Vous avez dit qu'il y a des choses que vous pouvez pardonner. Il y a des choses que vous pouvez... en fait, je parle de moi. Oui, c'est ce que j'ai dit. Je ne parle pas de vous, monsieur. Je ne vais pas vous tutoyer. C'est pas... Quand je ne connais pas les gens, je ne me permets pas. Je vais commencer avec Kunolo, acte 2. Qui va partager? C'est ce que j'ai dit. Donc, non, vas-y. Tout à l'heure, vous êtes en train de parler et vous avez dit que vous, il y a des choses que vous pouvez pardonner. Et il y a des choses que vous ne pouvez pas aussi pardonner. Est-ce que vous savez que ce que vous ne pouvez pas pardonner, ce que vous pouvez pardonner là, c'est impardonnable pour les autres? Et que ce qui est impardonnable pour vous est pardonnable pour les autres. Ça veut dire que chaque humain agit à sa manière, en fait. Chaque humain réagit selon ses émotions, selon ce qui lui plaît ou pas. Dans la vie, là, chacun a ses limites. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui se sont dit, si telle personne me fait telle chose, on monte, on descend, je lui fais du mal. Et puis, il y a ceux qui s'en foutent de ça. Donc, malheureusement, il a attaqué quelqu'un à qui l'injure a touché personnellement. C'est-à-dire qu'elle s'est sentie insultée et humiliée devant la place publique. On vous rappelle quand même que Observateur est l'homme le plus suivi sur Snap en Côte d'Ivoire. Ça veut dire que dans un pays de 30 millions d'habitants, lui, il est le plus suivi sur Snap. Ça veut dire que quand lui, il insulte quelqu'un, ça va très loin. Ça, c'est un. Deuxièmement, vous oubliez que il y a beaucoup de personnes sur Internet qui font des partenariats avec des ONG. Exemple, prenons le cas de la dame. Moi, je la suis sur Snap. Je suis aussi Observateur sur Snap. Je suis pas en tant que fanatique. Mais elle attache son image à l'entrepreneuriat. Elle attache son image aux ONG. Elle attache son image à certains organismes dans le monde. Donc, se réveiller un matin et voir que toutes les personnes avec qui elle travaille l'envoient une vidéo pour dire oui, il y a quelqu'un qui a dit qu'il t'a mongo, que tu es complet, tout le reste. Mettez-vous 2 minutes à la place de l'autre. On prend 2 minutes. Et à partir du moment où tu, dans sa vie, il dit, oh, je me suis trompé, j'ai ri. Et puis, non. Il pouvait faire une démarche. Il pouvait après faire une vidéo pour dire que je tiens sincèrement, parce que lui a ses excuses, il a toujours à 2 balles. Je tiens sincèrement à m'excuser. Vraiment, c'est sorti du contexte et tout le reste. Il pouvait le faire, il ne l'a pas fait. Parce que sur le coup, ça donnait ce que ça donnait, ça le plaisait, en fait. Parce qu'il y a le moment où tu poses, il y a comment tu te comportes après l'acte. Pourquoi il n'a jamais appelé cette dernière pour dire bonjour, chercher à trouver son contact, elle a des managers, j'aimerais vous voir sincèrement. Je tiens à m'excuser, j'ai voulu faire ça dans tel contexte, mais je ne savais pas à quel moment, je ne savais pas que ça allait porter sur ça. Je ne savais pas que vraiment vous n'allez pas forcément comprendre tout le reste. Là, à partir de ce moment, tu peux réfléchir à des excuses. Il pouvait faire des excuses sur une vidéo pour dire je ne la connais pas, je ne le connais pas et tout le reste. Calmez-vous, machin, je suis un peu allé, mais il ne l'a pas fait. À partir du moment, pour la personne, ça veut dire, c'est comme si tu disais à la personne, on va pas te faire foutre. Je m'en fous de, désolé du terme, hein, je m'en fous de ce que tu penses. Mais c'est blessant. Après, la dame, de ce que je vois sur Snap, elle a une vie de couple. Elle n'est pas seule. Elle le dit qu'elle vit avec quelqu'un, mais elle ne veut pas montrer le truc qu'elle ne veut pas tous les deux. Est-ce que vous pensez, est-ce que vous savez que moi, quelqu'un peut m'offenser? Hein? Moi, je refuse de porter plainte, mais mon mari décide de faire du mal à cette personne. Parce que qu'on le veuille ou pas, chacun veut toujours protéger sa famille, en fait. C'est-à-dire que moi, peut-être même qu'elle a dit que, ah,
on va laisser comme ça. Tu sais, c'est des trucs d'internet, ça arrive, comme je suis une personnalité publique et tout le reste. Mais son mari, la personne avec qui il sort, peut dire que moi, je ne suis pas d'accord. Que c'est, toi, tu es ma femme. Je ne peux pas accepter ça, en fait, quand on t'humilie. Il y a des gens qui vont lui dire que, ah, on est humilié, t'as compris, toi, tu n'as rien dit, tu n'as rien fait. Donc, vous ne connaissez pas qui est son mari. Peut-être que tu as le pouvoir de faire quelque chose ou pas. Vous ne connaissez pas qui est son gars. En fait, il y a tout ça qui rentre en compte. Et je te suis encore une nuit quand tu disais tout à l'heure que il faut, dans le game, il ne faut pas attaquer des gens qui ne sont pas dans le game. Si c'est une fille qui passait son temps aussi dans les lives, l'attaque, la tâche, tout ça là-même, elle ne donnerait pas la force. Est-ce que tu as lu le contexte de ma vidéo? Parce que tu dis que tu es là depuis le début, quand même. Non, non, j'ai pas, je suis là depuis le début. Je suis venu au moment où tu parlais d'observateur. Il y avait une dame qui était claire là, qui est partie, okay, avec qui tu faisais une blague. Okay. Et j'ai compris parce que, parce que si je laissais, j'ai voulu qu'on te laisse parler. Dame, c'est sa femme, c'est sa femme. C'est pas une dame. C'est ni. Ouais, il y a eu un problème. Ah ouais, t'as connu, c'est ça. C'est son ex qui a mal, là. C'est son ex qui a mal. Eri, ma chérie, tiens, c'est toi qui as raison, c'est bon, on a compris. Chérie, c'est toi qui sais que c'est son ex. C'est toi, c'est Diaba. C'est toi qui sais que c'est son ex. C'est toi, c'est Diaba. Quelqu'un est venu, c'est lui que la fille, c'est la chérie, elle est venue prendre mon mari dans ma main, et puis tu dis c'est son ex, et tu dis elle était. Aïe, il y a quoi?